toutes des bagailles que le monde doit connaître. Maintenant, nous parler de suicide, nous parler de tuer le monde psychologiquement. Parce que nous connaissons les téléspectateurs. Oh yes. Et il y en a qui posent un pile pour nous-mêmes haïtiens ici des États-Unis. On connaît un pile haïtien qui est infirmière. Alors, infirmier, il y a un garçon qui est infirmier, qui est nurse, mais un pile fille haïtienne qui est infirmière. Maintenant, notre travail, il y a un bail qui passe souvent, qui est l'euthanasie. C'est des gens qui sont malades, qui sont très malades. Docteur Yannick Gade, et puis, nursing home, nan, ou bien l'hôpital, là, ou bien assistant living, nan, il a dit que bon, moun sa, il n'y a pas de chance pour le retourner. Dans l'état où on a mis moun sa là, bon, il peut aller quand même. En nous bali, yon drogue, yon morphine pour mourir l'année. Ça, c'est tuer moun liye. Il y a l'euthanasie. Moun nan doit mourir de par lui-même. Aider un monde à mourir, c'est un péché. Et ça fait ici un pile. Et ça fait attirer attention haïtiens, haïtiennes nous qui travaillent dans l'institution de santé. Pas prendre un piège ça. Et quand il y a un monde, et qui système joué sur yo. Par exemple, vous connaissez ici assurance. Couvrir frais médical. Mais assurance privée, yo, pas assurance l'État, non, pas Marcel, par exemple, pas assurance l'État, mais surtout assurance privée. Yo gon jouet, yo kon ap jouet, yo gon deal yo fait avec responsable institution santé, yo, soit l'hôpital, yo ben nursing home yo. Yo di yo kon sa, mon cher, gon nombre de kob nous voulons dépenser pour moun ki malade. Moun ap nou fin dépenser tant kob sa nou, moun nan pa jam refait, font ti jan, font façon accélérer et la mort moun nan. Yo fait deal là. En cachette, en battable, en secret, avec responsable et institution sa yo. Mais qui est responsable de MFFL? C'est moun pa nou yo kap travail dans l'hôpital yo. Et bien, dit moun nan, et docteur a vini, docteur a kapab vini, puis le dou, ou même qui parle, et Lucie, et matin tout ça, li malade, li va ka retourne encore, et vraiment se souffri, ap souffri, et tant pour libérer. Yo kon jan yo brosse ba là-bas. N'a pas rappelé haïtien pa nou yo. Pas prendre un piège, ça, son piège. C'est, mais assurance qu'on ne parle pas, by plus comme, et puis on finit avec un langage pour dire que, mon ne se souffri, l'a souffri, ou même pour libérer. Libérer l'a vle dit, gaver de morphine, pour le cas aller plus vite. Ceci, c'est un pays tuer mon dans le sens. Qui est-ce qui peut dire que mon n'est pas capable de retourner miraculeusement? Ou quoi, on est Lucie, comme il fait 7 ans en coma après 7 ans qu'il retourne? Gemme qui fait plus l'année même. Et puis après ça, il retourne à la vie. Donc, et pas droit pas, et pas droit pas pour décider que un tel fin vive. Quitter bon Dieu, prend mon nom, le lapin. Et gemme qui doit faire 5 ans son cabane. Et puis après ça, il revient. So, c'est pas droit pas. Donc, mes amis, prenez précaution. Euthanasie, c'est un péché. Maintenant, pour finir, non ça, Lucidia. M'pas de retirer la vie moun. M'pas de aider moun, retirer la vie, mais moi-même tout, la vie pas, m'pas de retirer le suicide. Le suicide, retirer la vie pas, c'est encore un péché contre le cinquième commandement. Maintenant, on débat sur le suicide, là, Lucie. Okay. Et, gen anpil pè, gen anpil théologien qui dit, ne besoin aussi considérer la façon suicide la fête là, pour est-ce que moun nan, nous-mêmes, nous devons dire que nous sommes coupables totalement. Retirer la vie, c'est un péché mortel. Retirer la vie, pas son péché mortel. Et si on retire la vie, pas pour l'Église catholique, nous n'avons pas supposé recevoir des funérailles chrétiennes. Mais maintenant, ainsi, nous avons le lapsus est tête lié. Il y a un espace entre le, les faits action et puis le pour le mourir. On nous prend un exemple ici. On nous dit, un monde qui allait sous pont Montréal, on était vivre au Canada, hein? Un gros pont Montréal, longtemps, puis le monde continue à être là. Et Boston, tout un gros pont. On est allé, et puis la rite est en bas. Gen nèg là, on ménage là, qui télé, on le regrette, il va cacher l'autre fille, comme ça encore. Lui, la vie finit pour lui. Il est allé sous pont, il a la rite est en bas. Je pense que j'ai non pont, mais un pont Montréal qui était.
C'est le pont Jacques Cartier. Jacques Cartier, oui. Son pont qui célèbre tellement de monde, tu étais tout là-dedans. Maintenant, il y a un théologien qui dit, l'homme ne prend décision en Lucie pour la laguer tête li en bas. Et puis, il descend. Mais pendant la descente, il a changé l'idée. Et puis, il m'a dit, bon Dieu, pardon. Donc, entre le là, il est capable de gagner temps. Tu vois, bon Dieu, pas de faire ça. Donc, nous devons quitter espace ça entre le lilague tête là et le revenant de loi. Nous devons quitter espace ça pour la mise. Nous ne pouvons pas condamner directement tous ceux qui se sont suicidés pour dire que mon sa yo tout condamné parce que yo tué tête yo. Nous toujours nous supposons quitter un petit espace pour pardon, pour miséricorde, bon Dieu, pour dire ou pas j'aime connaît parce que bon moment les capte gantan mander bon Dieu et pardon. Donc le suicide ou prend la vie ou Lucie, péché mortel. Mais nous-mêmes, nous devons dire, nous toujours un petit espace pour la miséricorde divine là-dedans. Donc, mon qui Canada, yo, nous connaissons Canada, son pays, côté, nous faisons des pressions faciles. Tant pour mes amis, pas tuer tête, non. Et même si yo, madame quitte, mari quitte, la vie continue. Ok, mes amis, tant pour pas tuer tête, non, parce que tuer tête là, c'est un péché mortel. Alors, sauf si, mon n'est pas mon qui gagne des troubles psychologiques, il y a mon contingent fou, comprendre peut-être la partie, il était sous drogue, etc. Le ça, nous pas empêcher parce qu'il n'est pas volontaire. Maintenant, par contre, Lucie, si vous voulez aborder l'autre cas de péché, et tuer mon qui est indirect, comme si, gade, tuer mon, ouais, c'est tuer mon directement. Mais quand vous parlez de tuer mon, et pourtant, c'est péché. Donc, par contre, si nous mettons aborder le cognac. Oui, très bien. Tout à fait. Par exemple, et, où qu'on est, on parle sous moi, Lucie. On va mal que me fait. Ok, mais le secret, c'est femme seulement qui connaît. C'est amis seulement qui connaît. C'est madame seulement qui connaît. C'est mari seulement qui connaît. C'est mon frère seulement qui connaît. Son seul seulement connaît. Son mari qui? Secret dans le cadre familial. Mais position que m'occuper, par exemple, même son père, son figure publique. Et moi, c'est un politicien, son figure publique. Moi, c'est un entrepreneur, son figure publique. Et pour remarquer, vous dites, bagay ça qui passe dans la vie est tel là. Si vous prenez mal bailé dans la radio, mettez-le sur le journal, mettez-le sur les réseaux sociaux, m'a fini avec. M'a sale, non, est-elle. Il y a ça le scandale. Le scandale est un homicide indirect. C'est comme si vous touillez mon nato. Donc, il est important pour tout le monde comprendre. Pour l'Église catholique, Matthieu 18, verset 6, là, il dit nous donc malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaut mieux à celui-ci que le te prend un bagaille lourd que le mette dans coule et puis l'al pendre dans la gloire. En d'autres termes, son on l'a molle. Donc tout le monde qui apprend parole sous monde, veille parole sous monde, fait surveiller rapporter, fait et tout nos FBI, fait et tout nos CIA et puis prend parole à scandaliser l'autre monde en public, c'est même bagaille avec tout le monde. Dans réseau réseau social, nous on fait ça en pile. Oh, hein, okay. Un monde parce que simplement on désaccord avec mon nom, un problème idéologique. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous faisons ça très souvent. Hein? Oui. Le pays se prend un débat politique ou bien un débat idéologique quelconque. Pas vrai? Le plus souvent, où est monde qui a court d'arguments, qu'on y a là, plus qui a tendance à faire des attaques personnelles, tant pour le rester sous sujet qu'à discuter à vraiment. Donc, ils pensent c'est comme ça qu'ils sont capables de gagner de cause. Ils n'ont pas réalisé que ces faiblesses eux-mêmes, justement, ça a montré. Tuer, mon nom. C'est tuer. Tuer. Et moi, content au toucher aspect réseau social, là. Réseau social. Frères et sœurs haïtiens, l'émission, ça vient de jeune monde de tous côtés grâce à réseau social. Et YouTube, Instagram, et Facebook, etc., téléphone, etc. Mais, écoutez, il faut nous prendre précaution pour ne pas détruire caractère, monde, information que nous échangé à travers les réseaux sociaux. Et pas parce que Zoutia là, Facebook là, là et YouTube là, là, Instagram là, là Twitter là, pour nous abdire des bagages sur le monde qui concernait la vie privée. Yo. Dès que vous prenez un bagage dans la vie privée moun nan, et pour rendre public comme ça, ou créer un scandale, les mêmes niveaux avec tuer.
monde ça l'a confessé et l'a posé à pénitence, même genre comme monde qui était tué en l'autre monde. Il doit comprendre ça. Dans 1 Corinthiens 8 verset 10 à 13, par la bouche de l'apôtre Saint Paul, Dieu déclare que le scandale est un péché grave. Au même titre que l'homicide. D'ailleurs, pour l'Église catholique, donc son homicide indirect. Parce que moun a pour scandale lui, tu l'as dit tête lui. Et il y a des gens qui ont présenté non yon moun dans les réseaux sociaux, Lucie. Moun ça, yo tout fini. C'était l'année passée, gros prêtre ça t'est arrivé, pas vrai? Il y a un prêtre en Haïti que monsieur, après que t'es fini de faire un paquet de scandale avec non, il t'est tué tête. C'était l'année dernière. Oui, okay. C'est un. Je ne sais pas si c'est dans le nord d'Haïti, mais un prêtre qui était assez connu, assez respecté. Il y avait un scandale avec une jeune fille, avec une femme. Oh oui, et ok, dans le plateau central. Dans le plateau central. Il a fait une menace que il prend sale non li, et puis tu étais là. C'est vrai. Oh merci. Là. Son péché, son homicide indirect. C'est lui-même qui tuait père indirectement. Et péché yo, li considéré même Jacques péché on s'engage de capturer moun. Très bien. Oui. Donc moun yo doit comprendre, yo doit comprendre que si nous aborder on sait le bagaille publiquement, nous pas doit faire aucune considération de vie privée là-dedans. Dès que nous prenons des bagaille qui passer dans vie privée au monde et puis nous mettel en public, nous créer scandale, nous commettons homicide. Ouais, c'est tuer moun. Les indirects, c'est vrai, comme si nous pas la revolver directement, nous tirer maintenant, mais l'homicide est indirect, donc les et pécamiteux sont péché grave, et de considérer le même j'avais tué moi. Donc important, vas-y. Non, je pense que c'est très important de quoi pour nous capables et expliquer, nous cap garder nous là, involontaire avec indirect. Indirect, oui. Il y a involontaire là, il n'y a pas de photo. Mais indirect là, ou pas fait directement, donc ou péché. Et de comprendre ça. Oui, on péché. On nous dit, on t'a joué. Et puis. Moi-même, Lucie, ou est-ce que tu potage l'ovini? Moi, je crois que mon l'église, c'est péché ça, il fait pi plus. Et en pile mon parent yo compte de ça. Je pense que c'est partage d'informations qu'il a fait entre eux. Et m'a affirmé tout des fois des leaders religieux qui yo même yo encouragé bagay sa yo. Yo encouragé on bande colportage d'informations sous monde qu'a fait en dans l'église no yo. Qui pas bon. Donc ceci étant dit, tripotage c'est yon façon pour touyer moun tout parce que wap bay information et wap scandaliser l'autre monde. Et nan bay information pour scandaliser l'autre monde, à partir de ce moment, ou vin trouver ou non situation ou capable donc et le ça créer pour moun nan et pour peut-être pas ou yon ensemble de problèmes qui pas ça. Donc, et n'a quitté et sur Lucie remonter. Et pendant que nous connaissons, Lucie a remonté ensemble avec nous, pour nous continuer le débat ensemble. Ok. C'est Lucie. So, est-ce que vous êtes capable de remonter rapidement? Je vais essayer, mais on va continuer. Ok. Alors, seulement, vous êtes en train de parler, c'est tout. Très bien. Ok. Donc, vous êtes fini sur la question de tripotage, là. Moi t'a dit que moi quand que en dans l'église nous yo c'est péché ça moi que moun yo commet pi plus parce que sous prétexte de échange intérieur ou pas attendre yo créé donc des scandales et par le fait que youn vin a scandaliser l'autre ça vin créer donc en dans communauté nous yo yon situation côté c'est touyer n'a touyer parce que c'est des destructions de caractère. Donc, le scandale créé donc par colportage d'information ça yo, que nous relions dans le langage par nous-mêmes et haïtiens, tripotage, c'est tout yé, donc nous n'avons pas quelque monde. Et frère Maxime, nous devons comprendre partie ça,
et stop, suspend tripotage dans l'église. Yo. Et puis nous-mêmes, tout faisons ce bien-aimé, dit nous ça. Suspend parler afin qu'à passer dans la famille, avec frères et sœurs à gauche à droite comme ça. Alors, Lucie, je ne sais pas si tu as réagi sur partie ça, parce que dans l'église, je crois que c'est une d'un côté meurtre ça, les copains de plus. Certainement, certainement. Et je pense que la plus importante pour nous capable faire une émission sur ce qui sont venus chercher loin de l'église. Parce que sujet ça, point ça, les très épineux dans l'église, dans le choral, dans le groupe de monde, depuis son côté qui groupe de monde qui réunit, différents de groupes à gauche et à droite, ou toujours voir un genre de râler, mais n'infini ça, qui est très destructif, même pour bien-être l'église, le corps entier. Et tout à fait. Et en plus, moi-même, c'est vérité, ma baille. Donc, moi, je crois que je ne pas faire péché. Mais le parent, n'écoute que. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout à fait, parce qu'on va créer scandale. Voilà, voilà. Donc, si on crée scandale, on pas qu'à dire, et que c'est. Et vérité, ma baille. Donc, moi, mettre la gueule comme ça, mettre la gueule, j'en voulais. Non. Donc, le scandale que nous créons dans nos communautés, c'est donc destruction de caractère. Destruction de nom au paquet de monde. Donc, ce sont des meurtres, ce sont des homicides indirects. Et si on moun a tué tête li, pas comprendre que c'est moun seulement qui est coupable ou coupable parce que ou te gâtant détruit caractère moun par colportage, information, côté à fait. Donc, gen moun ki doit dire bon, moun n'a pas tué tête li, gâtant reprendre ni. Même si moun n'a bon Dieu, le force, il parle tu Lucie, ou tu as participé, ne colporte information, scandalisé, sale non mon nom, le sale, il tue mon nom. Et je crois que point ça, est important pour la communauté noire. Et comme tu dis, peut-être que nous devons supposer retourner sous lui, parce qu'il y a pile bagaille nous qui a dit sous et scandale là que nous pas moyen, parce qu'il y a scandale qui a fait au niveau politique tout, il y a scandale qui fait de façon on n'a pas habillé, go paquet, scandale là tellement en pile, peut-être nous pas gagner temps à soi, mais et parce que m'ta content qu'on tourne sous lui et que nous tourne sous lui Lucie parce que gon paquet point pour nous prendre en dans scandale là en dans scandalisation. Donc m'pa connais est-ce que ou va remonter Kounia ou bien est-ce que n'a continuer? Il pas qui peut remonter donc t'as obligé continuer comme ça. Okay. Et nous pratiquement arrivé dans moment qui ça oui. Et ben vas-y ou mettez nous capable capable poser question. D'accord. Gagner on parlait du premier commandement. Comment sera-t-on que rêve de Dieu ou de l'ennemi ou de soi? Comment peut-on distinguer la voix de Dieu? Ok, ok. Oh, c'est une belle question. Le discernement de et des esprits, c'est-à-dire discernement d'homme, pour me connaître, est-ce que l'idée de Dieu ou est-ce que l'idée de l'adversaire? Ouais. Ok. D'abord, gagner c'est Anselme qui réfléchit sur question ça et ma pensée de théologie pas là pour nous capable avancer sur point ça. Mais dis donc gagner trois façons pour me connaître est-ce que ça me soit dans dormir les soutien dans bon Dieu. Premièrement, est-ce que lui en accord avec la vérité révélée? C'est-à-dire est-ce que ça il propose dans dormir il pas contre et ça, la Bible a enseigné. Bon, bon exemple ici. Et bon, monsieur, que on fit remè. Ou quand on a dit, il y a remè nek sa, damou nek sa. Mais, nek sa marié déjà. Et puis, pendant l'in endormi, qui sa li wè? Li wè, et que monsieur sa, li a pentré l'église avec lui dans le mariage. Et puis, mon a interprété, il dit comme ça, m'a pas entré ensemble avec l'église. Donc c'est l'esprit de Dieu qui se dit comme ça et que ouais pas ouais même si un tel marié donc moi, et c'est lui que bon Dieu choisit pour moi. Donc l'esprit de Dieu pas qu'a choisi détruit mariage pour l'autre monde au juste pour prétexte pour le satisfaire et go pas l'autre monde qui veut se marier. Donc le ou analyser ça ou en dormir avec la vérité révélée, est-ce que lui en accord avec la Bible le sang qu'a connaît est-ce que c'est vraiment l'Esprit bon Dieu qui a parlé. Deuxième bagaille, est-ce que ça m'a endormi, il peut favoriser la paix ou bien il peut créer zizanie, la guerre par l'empile? Donc si ça m'a endormi, il ne peut pas favoriser la paix, il n'est pas de Dieu.
Donc, l'important important pour nous tous, nous, est-ce que donc, bon Dieu, est-ce que ça m'a, bon Dieu permet que l'I pralmener la peine, enfin, troisième et condition, élément qui va aller déterminer, c'est est-ce que ça m'a ou un dormir, ce bagage qui est juste, est-ce que l'I est juste? Est-ce que ça m'a ou un dormir, pas qu'il n'y a pas un petit prix là-dedans? Par exemple, il y a quelqu'un qui a trouvé que je fais un rêve et puis moi, tout l'argent qui existe dans le monde pour venir sur la 40. Je fais un rêve, moi, ouais, et que tout le bagage qui a passé, qui a réglé, il va venir dans l'avantage. Moi, ouais, et que position ça le parle pour moi, l'homme même que je ne travaille pour lui. Frère, depuis où elle n'est pas juste, c'est par l'Esprit bon Dieu qui a et manifesté là où même. Donc, discerner. Depuis en dehors de la justice, ou bien depuis contre le principe de la justice, le ça, ou qu'à discerner que rêve ça, il n'est pas de Dieu. Donc, je reprends les trois principes pour discerner quand Dieu nous parle dans nos sommeils. Premièrement, est-ce que en accord avec la vérité révélée? Est-ce que ça m'ouvre à ça? Ça veut dire que n'est pas contraire à la Bible, à la parole de Dieu. Deuxièmement, est-ce que il porte la paix? Est-ce que ça va capoter la paix autour de moi? Ou bien, est-ce que c'est goumé, va le voir, goumé avec l'autre monde? Et puis, troisièmement, est-ce que donc, ce que moi, je propose dans le domaine, ce sont des qui juste? Est-ce que le bagage est parti pris? Est-ce que le bagage ferme l'autre monde à but? Donc, en gros, nous sommes capables de dire, avec trois critères, ça, nous sommes capables d'analyser pour eux, est-ce que ce n'est pas Satan qui a fait nos suggestions? Donc, Lucie, nous ne connaissons pas là? Très bien. Okay. Très bien, dit. Alors, quand la question, il dit, est-ce que notre façon que Père parle, hein, est-ce que le pas possible de quoi pour nous agrandir un débat spécial sous Simonio? Sous façon parent doué élevé petitio en tant que chrétien. Oui. Eh bien, Lucie, eh bien, mon yo mandé non ça là, donc moi crois que et leur peut analyser l'autre question yo, ou capable et joindre un jour pour proposer ça que nous capable qui samedi pour nous capable et faire débat sur ça et relation devoir responsabilité entre enfant et parent et puis parent et enfant. Et je crois que, oui, il est important parce que c'est une crise dans la société haïtienne, nous, parce que façon éducation, en fait, vraiment, nous rendons nous compte que plus fort qu'il y a passé dans la société, nous, les résultats de ça, l'éducation qui n'est pas faite du tout, l'éducation qui est très mal faite, elle a vu extrêmement difficile. Donc, oui, moi-même, moi voté pour ça à 100%. Donc, ballon l'empire, Lucie, donc, on va faire nous connaître dans quel moment. Donc, parce que nous avons une question pour nous passer sur vous d'abord. Donc, dans quel moment nous sommes capables de venir sur ça? Je pense que nous sommes capables de faire une compilation de 10 commandements et puis différentes questions que vous mettez. Ce qui est vraiment pressant et brûlant, nous sommes capables de faire une question sur ça au complet. Oh, tout à fait, oui. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Il faut nous faire un commandement. Très bien. Très bien. Vous pensez que c'est important pour nous capables de connaître comme ça? Pour ne pas penser que mon père fait travailler la moitié. Oh, ok. Pas de problème. Yes. Alors, n'est que face à la parole, désolé que mon père apparaît pour une raison quelconque et Internet là semble tomber. Ok. Bah, on commence à faire arriver, mais cependant, on a continué. Nous presque arrivés dans cette émission de toute façon. Oui. Nous voulons profiter pour ne pas remercier Jacques Charles, qui lui-même a pu retransmettre l'émission ça en direct, hein, sous médaille miraculeuse à partir d'Haïti, et n'a pu remercier Sonny Belenfant, qui lui-même a pu retransmettre l'histoire à travers de Téléana Kaona, et aussi Guy Pierre Charles, notre télémasters, Kill TV, qui lui-même n'a pu retransmettre ni dans Miami, ni dans Orlando. Donc, et travaille là pour marcher, information à passer certainement. Nous-mêmes, spectateurs, spectatrices, Facebookers, qui, avec un YouTubeiste, qui sont fait ça. Qui sont aussi à faire partageant, qui a permis à tout le monde, à tout le monde de garder. Je vous dis merci pour ça, et encore une fois, si nous avons des questions, c'est 305-726-1544, 305-746-1455. Désolé, je vous ai dit. Oui, alors, bon, moi, pour un peu mon nom, parce que je sentis ça. Et c'est 305-726-1455. Voilà. 14-55, c'est tout à fait.
Alors, mon père a dit la finale. Tout à fait. Et nous avons tout le monde, quel que soit à côté de nous, il est temps pour nous baisser la tête, nous fermer les yeux. Nous avons un silence fond que nous, parce que je vous dis, donc, nous avons dit bon Dieu merci du fait que nous apprenons nous. De combien de manières qui sont tellement différentes que nous sommes capables de touiller les gens, mais comment donc pour nous éviter ça? Mais c'est peut-être nous, nous prier ensemble. Et Dieu éternel et tout puissant, Dieu d'amour, nous faisons un compliment pour nous, je vous dis à bon Dieu. Et nous avons dit autant prie, merci Seigneur. Merci pour tout ça que vous avez réalisé dans la vie. Nous. Merci, mon Dieu, du fait que vous apprenez aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas touiller, nous devons prendre précaution pour moun pas mourir sous conscience, nous, sous compte, nous, à travers un paquet de façons, à travers un paquet de moyens. Seigneur, merci du fait que aujourd'hui, vous avez prêté tout le monde qui souligne que vous êtes capable d'approfondir thème ça, respecter la vie qui est sacrée. Mais surtout, fais tout ça nous capables pour protéger pour la vie par nous et pour la vie par l'autre monde. Bon Dieu, nous avons demandé autant de prix, selon volonté par nous et nos besoins par nous, par nos puissances, pour nous capables toujours protéger la vie de l'autre et surtout défendre le droit sacré ça pour la vie nous capables de vivre sous terre, pour nous capables d'avancer selon volonté par nous. Nous prions dans nos Jésus, petit tout, qui vivent et qui règne avec nous, avec l'Esprit Saint, jeudi à demain et pour tout le temps qui vient. Amen. Amen. Amen, mon père. Merci, mille merci. Merci. Alors, oui, merci, Lucie. Et puis, Nabdi. Mon... Concrètement, problème okay. technique, ça. Problème technique, ça qui arrivait, que nous n'avons pas gagné aucun pouvoir sur l'île. Nous ne vraiment pas comprendre ça qui passait. C'est la première fois que ça arrivait. Mais cependant, nous espérons que c'est pas, ça pas privé encore. Nabdi, nous passons très bonne fin de semaine. De dimanche des rameaux, n'est-ce pas? Parce que nous approchons de la Pâque. Et 40 jours, là, il est presque arrivé dans fini. Donc, nous avons dit, nous ferme pas la guerre. Songez, le jeûne, la prière, l'aumône, nous presque arrivé dans 40 jours, ça y est, nous sommes là pour nous capables de faire d'eau à ça que nous avons dit que nous avons fait, pour nous garder, pour aimer faire l'autre monde. Mon père, nous avons salué, nous avons tout merci, et nous avons tous les téléspectateurs. Nous rendez-vous semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci Lucie, bye bye tout le monde, bye bye. Nous saluons les téléspectateurs nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rencontrer nous. Et bon Dieu, oui, nous avançons toujours avec 10 commandements. Tout d'abord, à nous remercier ou même qui prend temps pour garder nous, soit sur Facebook ou bien sur YouTube, ou même tout qui prend temps pour partager l'émission ça. Avec famille, avec amis, de quoi pour être capable d'agrandir connaissance sous affaires bibliques. Tabdi-nous, bienvenue face à la parole. Nous connaissons l'heure de 7h30 à 8h30 avec moi-même, Lucie Tondreau, et certainement avec Père Guy Gustave Miracle. Jeudi, nous prenons le sixième, pas vrai, commandement. Sixième commandement qui tu ne commettras point d'adultère. Ça me connaît que il n'y a pas besoin de grande explication. Enfin, nous pensons que nous n'avons pas besoin de grandes explications. Mais avec Père Miracle, pas grand rien qui est simple. Pas grand rien qui est simplement, tu ne commettras point d'adultère. Ça veut dire que vous allez tromper madame, vous allez tromper Mario, qui dit ça adultère. Là, nous allons rentrer dans la profondeur adultère et version biblique, qui ça eux-mêmes, ils entendent par sexualité. Nous tous, nous sommes des êtres sexuels et sensuels. Et à nous qui regardons qui ça, la Bible dit, la question, la chair est faible. À nous saluer, Père Miracle. Père Miracle, nous saluons, bienvenue. Bonsoir, Lucie, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Oui, comme tu as dit, ce n'est pas que question trop simple, mais c'est parce que, justement, Maudna est tellement complexe que, grand ensemble de questions, Lucie, chaque fois que l'on a abordé, il a fait nous découvrir à quel point, ni bon ici, ni en l'autre bord, en pile nuance, si nous voulons vivre bien et servir bon Dieu bien. Donc, merci, Jodia, et bienvenue tout le monde. Nous pourrons regarder pour nous. À quoi donc le sixième commandement qui s'allie impliqué et comment nous sommes capables de comprendre propre tête par nous à l'intérieur même de la sexualité. Donc, merci et bienvenue à tout le monde. Nous allons passer une belle heure ensemble. Merci, Père Miracle. Nous passons dans le premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, quatrième commandement, cinquième commandement. Nous arrivons dans le sixième. Et nous, à toutes les fois que nous rentrons dans un commandement,
tellement gué rentré sorti la donne, tellement gué un paquet de bagaille pour nous capable couvrir pratiquement pas gué temps. Mais je dis à nous promettre téléspectateurs nous yo, leurs questions seront répondues ce soir, aujourd'hui, pas vrai? N'a pas répondre question à toutes questions que vous gagnez yo et gué pile question. En même temps tout nous va le couvrir. Nous va le couvrir sixième commandement ça. Tu ne commettras plus d'adultère, ou bien pas d'adultère, pas plus, non, pas d'adultère. Alors, mon père, le deux mon a marié, pas vrai, il a fait vœu, il a prêté serment devant un prêtre et devant la société, pour yon capable d'être fidèle à l'autre, pour yon supporter l'autre dans la maladie comme dans la richesse, à l'heure, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, nous connaissons vieux dicton haïtien, est-ce que ça veut dire pour manger maïmoula pour chaque jour, ou bien durer à sauce pour chaque jour? Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que ça justifie? Parce que, par exemple, nous-mêmes, dans la culture pas nous, on connaît les garçons, c'est macho, ils sont très machos pour la plupart. Donc, on trouve que l'inormal, puis on tire beaucoup de sous-côté, et puis madame, il n'y a pas de ou bien que si on fait courant, surtout le garçon commence à rentrer dans l'âge, il commence à entrer dans andropause. Fille fait ménopause, garçon fait andropause. Là, on commence à rentrer dans andropause, eh bien, il y a un pile là-dedans qui choisit pour aller chercher un jeune timoun, timoun 20 ans, timoun parfois qui est plus jeune que petit yo, yo vle qu'on est là pour yo capable de gagner en jeunesse que vous pensez qu'il perd. L'adultère, mon père, qu'est-ce que c'est exactement? Adultère, c'est que le commandement qui dit pour ne pas commettre adultère, il renvoie nous donc à plusieurs types de comportements qui est capable de faire la caille au monde, même s'il pas impliqué en l'autre monde directement dans violation en relation maritale, il est donc capable d'adultère. Donc, il y a trois chapitres capables de couvrir, qui capable de permettre ou comprendre bien adultère et à l'avenir faire face à lui-même. D'abord, il y a premièrement, soit capable de alors, ça que nous devons comprendre, qui c'est ce qu'on appelle la reconnaissance de la sexualité, de sa propre sexualité. Le commandement dit, tu ne commettras pas d'adultère, il voulait dire donc, premièrement, dans la première partie, puisqu'il dit tu, donc la parler avec vous-même, le adresse avec vous-même, il est content de dire donc, reconnaître que vous gagnez un sexe, ou c'est soit garçon ou bien fille. Et parce que vous capable garçon ou bien ou fille, il est content de créer d'abord une différence. Donc, deux sexes opposés, hein, attraction là-dedans. Donc, qu'on est que laisser garçon y est, ou la présence en fille, il y a une attraction qui va le créer. Reconnaître ça, que comme garçon, les gens ont attiré, et les mêmes tout comme fille, les gens ont que les attiré. Non pas attiré, je ne pas attiré l'autre, même gens, mais tous les deux, il y a une attraction là-dedans. Donc, premièrement, reconnaître ça. Pas nier, pas peur, pas dire c'est pas rien, et tel c'est ce. Et tel si on ferait pour moi, et tel son cousin. Il n'y a pas jamais commettre erreur ça, hein, pour dire, bon, et tel si on met, et tel si on paie, et tel si on, pas qu'on est, si on papa, et tel qu'on différence d'âge avec un tel, donc pas de problème. Non. Reconnaître que entre les deux, il y a une attraction. Donc, assumer sa sexualité, c'est le premier appel que texte là a fait. Et ça fait, on parent, cap élevé Timon, donc, pas commettre erreur donc pour la fiance, et elles sont ma famille, et elles sont mon intègre. En sexualité, il n'y a pas ça. La Bible attire l'attention donc sur ça. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc, le tu, qui est un jeu pour moi-même, que la Bible a parlé, donc, les dîmes, premièrement, je dois reconnaître ma sexualité. Mais deuxièmement, puisque l'idim, tu ne dois pas commettre, donc texte a parlé à la forme négative, le langage, le symbolisme biblique là, dès qu'il y a un commandement qui parlait à la négative, l'idim donc exclut, on l'a pas qu'il y a après. Ça veut dire donc, l'idim fait un appel à l'homme qui dit, tu ne commettras pas d'adultère, donc attraction qui gagne, un appel que bon Dieu a fait à moi-même qui relève la chasteté. Chasteté, il y a plein de monde qui pense que c'est paix avec mais seulement que bon Dieu fait un vœu de chasteté. Mais, texte là, par le fait que l'idée, tu ne commettras pas d'adultère, l'idée donc, tout le monde a une vocation à la chasteté. C'est-à-dire, chasteté veut dire la maîtrise de soi. Ou encore, l'apprentissage à la maîtrise de soi. Donc, tout le monde, puisque texte a dit non, attention à attraction, l'idée, on appelle à la maîtrise de soi. Nous devons savoir
que nous devons apprendre à maîtriser tête nous. Ça s'appelle donc la chasteté. Donc l'Église fait une loi pour paix avec mais, son règlement pour paix avec mais c'est une vocation pour tout chrétien. Nous devons apprendre tout le monde, c'est petit monde, dépendant de si monde, il doit apprendre qu'on est, faut l'apprendre à maîtriser tête lui. C'est pas toutes les fois qu'on attraction pour vider la donne, pour foncer la donne tête baissée. Nous devons pratiquer cette vocation, la chasteté, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Si on n'a pas maîtrisé tête ou pas la donne. Donc c'est le deuxième aspect qui gagne la verset. Et puis troisième aspect que l'on fait, qui est clair pour nous-mêmes et appelé dans nous, Vinouel. Donc c'est faire attention donc pour union que nous pouvons créer pour ne pas offenser union. Maintenant, nous avons une question que nous-mêmes donc ou présenter qui est le mariage. Maintenant, le deux mounes mariés donc, le deux mounes prend décision donc pour fonder un foyer, yo donc décidé canaliser attraction vers moun sa seulement. Donc moi gon attraction moi. Moi gon pari qui naturel qui puisque moi c'est un mâle par exemple, l'autre c'est une femelle ou bien vice-versa, attraction naturelle moi gagne pour tout mâle ou bien toute femelle en général là, moi canaliser vers moun sa. Fait donc moi gon devoir de respect de dignité envers bagay ça que me fondé avec mon qui relé un couple. Maintenant, commandement dit, il y a des péchés graves que me capable faire contre moun sa. Mais avant même que me vienne mariage là, me faut garder avant personnellement, même si me pas marié, il y a péché que me capable commettre contre sexualité moi. Donc contre vocation en tant que monde, même si moi célibataire. Par exemple, la masturbation son péché contre dignité si. Parce que moi, je dois dire, même pas faire la personne, mais par le fait que moi, j'ai une vocation à maîtriser tête, moi, maîtriser toute pulsion, toute attraction dans moi-même. Donc, je ne peux pas quitter soit un film, moi, film gardé, ou bien un monde, moi, passé, il tellement prend tête, moi, je cours, prend un bagage mal fumé, je prends un buzz, je prends un alcool, et puis je lague tête, moi, dans la masturbation. Deuxièmement, il y a la fornication, c'est-à-dire que, on va dire ça, comme moi, j'ai une bonne mesdame là, qui a une maison close, bon, bah, un petit cob, enfin, prostituée, en fait, ça prostituée, mal payé en prostituée, garçon payé prostituée et femelle, mais il y a une fille tout qui paye prostituée mal, donc, on a payé en prostituée. Ça, c'est fornication. Son péché contre dignité sexuelle, moi. Garder film pornographique. Vas-y. Alors, okay. Il est très important pour nous retourner sur ce fait que ce dit là, pour clair pour téléspectateurs, nous, qu'on n'a pas arrêté de penser que c'est le fait que y aura ou fourni ou fait fornication seulement le par exemple ou engagé en agent sexuel ou PLI ou fait ou coucher avec ou non. C'est l'acte qui dit même qui fornication. C'est pas avec ce qu'on fait en prostituée, qu'on fait l'école avec. C'est fornication lié. Très important de comprendre. Oui. Et contre précision, hein, tout à fait. Parce que moi, j'ai toujours pensé que c'est interaction qui va le déterminer. Je pense que c'est action d'abord. C'est action. Parce que dignité sexuelle, là, il y a moins lié. Puisque dignité sexuelle, fait, moins violer, moins éclater. Donc, j'ai une vocation à la maîtrise de soi. C'est ce qu'on appelle la chasteté. Bon Dieu, voulait pour m'apprendre à maîtriser tête. Même si on voulait nous faire route. Et là, c'est peut-être ça, il dit que quand c'est temple. Et bon Dieu. L'Esprit Saint, hein. Exactement. Il habite dans moi et puis il fait marcher selon volonté bon Dieu. Donc, regardez, quand Dieu nous a dit de maîtriser la nature, nous faire route, nous faire et caille, nous faire avion, il y a des mônes, il y a des générations dans notre tête, pas la pensée qu'on a été possible là. Et puis, les hommes faisaient du travail et puis nous maîtriser la nature là, nous contrôler et puis nous construire des maisons, des endroits très escarpés. Donc, cette maîtrise de la nature, de l'environnement, il tout débouché sur cette maîtrise également que nous devons avoir de notre propre personne. Donc, moi, je dois avoir des pulsions, moi, j'ai des attractions, même besoin de maîtriser. Donc, c'est ça la chasteté. Donc, j'ai cette vocation. Donc, quand je ne les maîtrise pas, le laisser le débrider et puis le gagner même, moi, je viens tomber donc dans un péché contre dignité sexuelle. Parce que sexualité, moi, doué et maîtriser, moi, de contrôler. Donc, le débrider, tant que mon cap contre un cheval et puis le paquin, mais aucune reine, donc, je tombe là-dedans. Donc, masturbation, qui c'est plaisir solitaire là, péché contre dignité sexuelle, fornication,
hein, et que faire appel à une prostituée, et que me faire avec un monde que me croise comme ça. Il y a des jeunes, moi, un peu le monde qui fréquente les nightclubs, ils ont les one night stand. C'est-à-dire, on est rentré dans un club vendredi après-midi, c'est très populaire aux États-Unis. On est entré dans l'ensemble du club et parce que tu travailles vendredi, tu finis très fatigué et puis yo en bas influence alcool et puis yo croise un monde dans club là et puis c'est demain matin yo rendu compte que tu es sous carbone, tu fais nuit là et puis demain matin ni vu ni connu ou fait route Paul la fait route Paul. Et ouais, comme si il y aurait les ça accouplement. C'est pratiquement et gon l'autre dicton tout qui dit what happens in Vegas stays in Vegas, comme si voilà. Okay. Oui, oui. Et puis dans demain c'est comme si pas de gens qu'on aime du tout, chaque fois on retourne dans l'état paillot et puis c'est tout. Ça c'est accouplement, c'est comme à l'état bestial, voilà, qui dégrade dignité sexuelle parce que moins gain en sexualité, moins gain des pulsions, moins gain des attractions dans moi. Vocation, c'est maîtriser. Donc, par le fait que je dis que je suis fatigué, je saute dans le travail, je croise comme mon épée, je lague, là, je détruis cette dignité sexuelle que j'ai en moi. Il y a aussi la pornographie. La pornographie, nous sommes capables de dire 30%, voire 35% trafic sur Internet là, et compagnie qui fait plus l'argent, je dis à l'Internet là, c'est compagnie qui fait pornographie. Et vous regardez, vous suivez de plus en plus dans la société, dans la culture, nous, puis fort, dimension artistique, croit que pour être capable de vendre tête, il doit exprimer yo, sous des aspects même semi-pornographiques et presque, on a dit 3-4 pornographiques. Alors, pas trop. Mais maintenant, quand on parle de adultère, au monde, parce que nous, ça très souvent dans le foyer, m'a répété encore, le fille dans l'âge ménopausio, a fait pour certaines femmes, pas qu'à généraliser, il y a pile là-dedans côté que le désir sexuel a diminué. Côté que l'ivini pratiquement par manque d'estrogène, l'ivini très douloureux de quoi plus qu'à entamer rapport sexuel, j'en sais pas, t'es cogné longtemps. Donc le plus souvent, jeune mari, ni même ni dit pas tromper madame ni, mais par contre, on va pouvoir faire combien d'heures de temps devant le computer à garder questions pornographiques, etc. Mais ça, tout c'est adultère que lié, non? Tout à fait. Parce que moi, détruit dignité sexuelle. Bam! Moi, te prends décision pour me canaliser toute attraction sexuelle, puisque c'est seulement vers seul monde ça, qui c'est marim ou bien madame moi. Hein? Mais voilà que qu'on y a, moi, après plaisir, fait comme joindre une forme de satisfaction, non garder un ensemble de vidéos que des commerçants, justement, qui ont seulement été intéressés au fait comme, ils mettent devant. Donc, m'a détruit dignité sexuelle, moi, nan gade film ça. Mais, nan ka fon coup d'œil sur la société haïtienne, nan jodi, ya, m'a konne si ou fait remarque là, pi for vidéo, clip pour musique, yo semi-pornographique. Et le pire, yo pas même mettez interdit au moins de 21 ans là-dedans, yo. Donc, ceci fait, ouais, à quel point que société noire, hein, la pornographie tourne en commerce extraordinaire, et par le fait que Mounio, il fait cob la donne, il fait appel à une dimension, une pulsion, qui n'a moun, l'état sauvage, je t'en parle, l'état animal là, et il pense donc qu'il rend l'humanité en service, le n'a propulsé, c'est, le n'a gaillé ensemble, de véhiculer ensemble de messages, ça, messages semi-pornographiques, ça, yo, nous pas aider jeunesse là, parce que yo même, tout dépend de façon mon yo levé, gen ici pi fo famille yo, pas gen famille constituée, c'est soit une seule maman, soit un seul papa, kap éduke ti mon yo, en petit moun passe majeur partie de temps pour kont yo la kaye, kon ya avec coronavirus là, pi fo moun se non tablette, ya pi éduke tet yo, maintenant si ti moun nan vle tende on bagay haïtien, on musique haïtien, parce que c'est haïtien, oui. Nous menons dans l'église haïtien, nous menons dans la réunion haïtien, nous menons dans la manifestation haïtien. Si nous parlons de l'écriture, nous menons dans la culture haïtien. Dans la communauté américaine, nous avons interdit à une série de timoun, mais nous même dans la communauté panouan, créole, haïtien, valable pour tout le monde. Et qui s'appuie pour bagaille, c'est donc des vidéos qui sont semi-pornographiques. Nous avons détruit jeunesse parce que nous avons quitté avec dignité sexuelle. Et quand une personne n'a pas de dignité sexuelle, il y a un gros danger qui peut arriver le pire devant demain,
qui c'est la gen difficulté pour prendre un engagement par rapport à sexualité puisque c'est sexualité pas sacrée encore. Donc il pas capable prendre engagement avec l'encore. Et on connaît parfois mon père et parents yo, yo contribuer à ça tout. Et pour un monde sur réseaux sociaux yo qui prend plaisir faire vidéo si moun 2 ans, 3 ans cap déhanché yo et puis y a posté. Pour yo c'est plus belle bagaille qui était capable exister le petit moun nan gen un bagage américain relé twerking, le twerk quoi, c'est faire yo balancer, vibrer etc. Donc yo montre que petit moun nan c'est plus belle bagaille qui était faire puis yo prend yo mettre le dans réseau social. Alors moi pense que pareil s'il vous plaît, pas tuer innocence petit moun nan trop tôt. De bagaille de Rouen qui a fait ça pour nous, hein, au-delà de nous-mêmes, au niveau l'école avec l'autre élève, au niveau amis, au niveau télévision même, où est que Timouna, innocence que l'Iguéen l'y perdu tellement rapide, et puis qu'on nous a demandé depuis qu'il a Timouna, tout est à ça, mais c'est pas Timouna chance de quoi pour le cap vivre en jeunesse, en enfance saine. Tout à fait. Et les gens n'ont pas de dignité sexuelle, ça. Essayez imaginer quel type de couple nous allons gagner demain dans la communauté haïtienne, dans la société haïtienne. Quel type de mariage qu'ils allons gagner. Et ça fait nous pas qu'à étonner que chaque monde, nous allons s'appuyer devant, immédiatement que qu'ils arrivent dans un certain âge adulte, ils sont capables de bailler tête, de manger, de boire. À partir de ce moment, ils sont impliqués dans près de 5 relations minimum. On va voir un petit peu ça. Donc, on n'est capable de dire tout, à part, vas-y. Non, je voulais rappeler téléspectateurs que vous regardez face à la parole sur l'émission qui vient de nous chaque samedi soir sur YouTube avec sur Facebook. Et lui-même, l'émission, ça lui est transmise tout par frère Jacques Charles, hein, et médaille miraculeuse, on a regardé l'antique avec vous. Lui est transmise par Télé Anakaona de Sony Belle en Forme. Lui est transmise par Télé Masters TV dans Miami et dans Orlando. Alors, de Guy Pierre Charles, c'est tout téléspectateur ça qui a eu l'opportunité pour suivre avec nous l'école ça que Père Miracle même l'a fait avec nous chaque semaine. Et certainement, l'émission a été de plus en plus intéressante au fur et à mesure que nous avons développé d'autres sujets. Après, les 10 commandements, je vous dis à nous dans le 6e an, tu ne commettras point d'adultère, mais nous avons tellement de sujets pour nous capables de discuter. Avec eux, nous allons parler des juges, par exemple, comment ça a été dans longtemps. Et je ne veux dire, hein, c'est qui modèle que la société a lui-même prend pour lui capable d'établir des règles et principes. Alors tout ça, c'est des bagages, parce que c'est important de quoi pour nous-mêmes, pour nous capables d'apprendre, pour nous capables de connaître, pour nous capables de prendre plaisir là-dedans. Rappelez-nous, sur semaine, téléphone-nous, c'est 305-726-1455, 305-726-1455. Tu ne commettras point d'adultère. Quelle est la version biblique de ce commandement? Non, 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ça que nous avons débattu là avec Père Miracle. Et certainement, merci d'être. Oui, maintenant, Lucie, dernier point l'état intéressant pour nous considérer, par exemple, l'acceptation sexualité et ensuite faire attention à elle pour ne pas détruire dignité sexuelle, c'est donc les pratiques homosexuelles. Après, voilà. On peut parler de questions, je veux dire, parce que l'illégal, dans les États-Unis, par exemple, mais on ne pas rendre compte. Par le fait que Dieu nous a créé mâle et femelle, la première forme d'attraction naturelle, c'est l'attraction hétérosexuelle. Donc, un garçon, un mâle qui est attiré par une femelle, mais extrêmement et profondément naturel. Donc, l'attraction homosexuelle est contre nature. Les contre nous avons été créés mâles et femelles. Donc, à chaque fois que on accepte, il y a entré à l'intérieur de une pratique homosexuelle, il détruit dignité sexuelle, parce que il détruit attraction naturelle. Vas-y. Alors, maintenant, nous connaissons un peu le scandale qui était fait dans l'Église catholique par rapport à pratique homosexuelle. Nous connaissons qu'il fut un temps côté que un jeune garçon qui était tendance homosexuelle il rentrait dans paix pour te cacher tendance ça à la grande société. Et surtout, c'était si moun aisé, si moun quand même de famille aisée qui était capable de rentrer dans prêtre. Alors, c'était vraiment royaume côté que yo était capable de cacher vicieux
et puis perpétrer non seulement sous Timoun, mais entre eux même tout en dedans séminaire. Bien formé. Ou bon, on comprend bien là. That's good. Continue. Il faut que nous abordions très large, de quoi pour ne pas gagner force côté. Et tout à fait. Maintenant, je suis très content qu'on tout fait histoire là, parce que la mise en contexte est extrêmement importante. Dans le Moyen-Âge, on a beaucoup vu ça. Yo, ouais, alors, je me rappelle pour un peu de monde, qui s'est passé. Dans le Moyen-Âge, ils ont remarqué que dans les familles, depuis famille, il y a trois petits garçons. Ils ont remarqué que pour un petit garçon très responsable, deuxième petit garçon très violent, enfin, de sous-goumé, et troisième petit garçon qui a tendance à TV. Ils ont remarqué ça en pile dans en pile famille dans le Moyen-Âge. Vous connaissez surtout qu'il y a en pile famille qui parle de voler que richesse yo té éparpillé gaillé, yo préfèrent marier entre eux. Donc dans marier entre eux, ils viennent découvrir que sans yo qu'elle pas mélangé assez qui viennent rendre timon yo pas tout à fait comme cela. Donc le plus souvent dans premier petit garçon là, le jeune homme qui plus ou moins constitué, mais dans reste toujours gain des déviations. Donc on peut dire c'est des déviants. Donc ce que famille ça a été qu'on fait dans le Moyen Âge, yo prend deuxième petit garçon yo côté gens violents, yo voyer dans l'armée. Il dit que ça, mon cher, violence ou gagne, hein? Envie de battre moun ça, après dans les colonies. Puis, faut militaire qui te kon vini, qui te colonise, nous pas se te colonise nous en Haïti. Ou après, c'était des Français qui étaient très violents. Il dit qu'on a fait des crimes horribles sur les esclaves parce que c'est des timoun qui te levé dans la famille avec un pile violence dans eux-mêmes. Donc, il te voyait, monsieur, que violent dans l'armée. Et puis, ça a été fait. Ti monsieur, ouais, qui ont dit, tant que tu fille, il dit, eh ben, mais c'est vrai. Puisque mon corps là, à côté d'un garçon pas marié, eh ben, entrez-vous dans l'église. Donc, on peut plus faire famille, troisième petit garçon, tu es toujours venu faire au prêtre. Et là, vous voyez, il arrive facilement à l'évêque, des fois, il arrive même pire toujours. Donc, ça vient de faire que, non seulement, il y a une tendance, tu fais ça, féminin, ça, il y a efféminé, pour parler au terme français très précis, il y a efféminé, et bien, il y a une influence par les gens dedans, donc, il y a une tendance à propager des déviances là. Ça vient de faire que, en pile, si monsieur, qui est petit, mon affaire bon ça je suppose petit monde de condition humble aussi modeste qui est arrivé dans l'église mais peut-être qui a tendance efféminée aussi donc yo vinn entre yo développer donc ces relations donc développer des relations et puis propager le tout parce que des fois si yo ta vinn pour côté pas jeune aucun monde qui gagne relation qui doit venir faire un chantage je dis ben puisque mon chef kounia dans l'église âme son évêque nous son cardinal pour me aider même river tel bagage ben et comme paiement gagne avec moi donc des pratiques homosexuelles. Yeah. Qui vient et ça fait gagne un évêque qui relait et monseigneur Morlino et aux États-Unis qui mourit dernièrement qui était dénoncé et pas trop longtemps ce qu'on appelle une sous-culture homosexuelle à l'intérieur du clergé dans l'église catholique, il vient montrer que par le fait qu'il y a tout petit monsieur Sayo qui était entré et puis qui vient continuer avec bonne déviation Sayo, il vient créer sous-culture ça. Donc ou pas, puisque c'est don ask, don tel lié, donc ou pas qu'on est qui est en dedans qui compte ça, mais maintenant, à un certain moment, on va venir découvrir, oui, ah, un tel tellement affronge pour te cacher, mais li attaquer moun pour l'attaquer, li gade moun li ou est contingent qui a même tendance ensemble avec lui, li gade moun qui n'a pas tout qui a besoin. Par exemple, si on jeune prêtre, on nous dit au salle, t'as une église qui est très loin, qui est très en dehors, et puis il vraiment senti que bah est difficile pour lui, il t'a remis à l'église peut-être contingent. Il y a une condition matérielle qui peut être puis meilleure, puis améliorée, chantage pour lui capable d'avancer. Donc, ceci vient de très loin. Par exemple, il y a des prêtres qui viennent des déviations qui très graves dans le monde moderne, qui viennent traduire tout par abus qu'ils viennent faire sur petit monsieur qui est enfant de cœur, petit monsieur qui a servi messe. Un petit monsieur, ça y est, arrivé prêtre tout, avec même déviation, ça y est. Donc, qui créait cette sous-culture. Ceci n'empêche pas non plus que nous devons tenir ferme et dire avec force que ces pratiques homosexuelles, même si conseil de monoriche qui te joigne en façon pour entrer dans l'église pour aider petit yo et grandir et vivre, yo détruit dignité sexuelle que bon Dieu déposée dans vous-même. Donc, vous avez été créé mâle, vous êtes un mâle. Vous avez été créé femelle, vous êtes un femelle. Ou bien en dignité, ou bien en identité sexuelle. Et l'identité sexuelle, ça, les appeler donc pour les apprendre à maîtriser, parce qu'on va toujours attirer vers le sexe opposé. Mais quand vous êtes né avec des hormones, c'est ça la science finie de nous, bien comprendre, quand les gamètes mâles et femelles ne sont pas équilibrés dans l'être, la façon que vous venez sortir dans l'hormone, et puis vous venez rendre que l'identité sexuelle est capable de confusion là-dedans. Donc, les gens qui créent comme ça,
soit un garçon ou avec une petite tendance efféminée, ou bien une petite demoiselle qui a une petite tendance immaculée, masculinée, si vous voulez, si vous voulez, même comme ça, mon ça donc, yo capable de comprendre que vocation à la chasteté, elle existe dans eux-mêmes et vous apprenez à vivre, même avec l'autre monde, par exemple, que, et qui gagne des hormones, des gamètes qui sont un petit peu plus équilibrés, qui ont une identité sexuelle qui est beaucoup plus ferme. Donc, pratique homosexuelle, c'est un péché grave que lié, qui détruit dignité sexuelle, la carrière au monde, et nous tous, nous devons comprendre ça, et nous devons prêcher ça, nous devons aider à comprendre ça. Alors, nous, aujourd'hui, en tout débat qui est au sein de l'Église catholique, ce qui a trait à bénir mariage homosexuel. Il y a un paquet de débats sur ça. Il y a prêtres qui sont d'accord, il y a pas d'accord. Donc, est-ce que nous sommes capables d'attendre nous maintenant à d'autres frères séparés du temps, même Jean, ça a été fait dans le temps Martin Luther qui vient de mener un mouvement protestantiste? Moi, je crois que c'est difficile pour le groupe PSAO quitter l'Église catholique. Je vais expliquer pour qui ça. Et par exemple, et comme aussi bien fait, à partir du mois dernier, il y a la Congrégation pour la doctrine de la foi qui sortit en note qui dit que les interdits pour prêtres catholiques ont béni l'union homosexuelle. Maintenant, il y a tout un levé de bouclier pour l'ensemble de prêtres ici aux États-Unis, nous voyons ça, qui eux-mêmes ont commencé à nous dire faire manifestation, faire révolte, et il y a prêtres dans dimanche de rame en révolte à décision ça. Que pape la prend pour interdire bénédiction union homosexuelle, yo pape bénir amo comme si chaque réagit façon pareil pour dire que bon bon prêtre qui dit que yo même yo pensait que l'église est doué d'accord et bénir union homosexuelle et gain prêtre qui yo même avancé devant qui affirmer que yo même yo et quoi il était homosexuel par ou d'accord que yo pensait que pratique homosexuelle pas un problème là-dedans et que yo même yo prêt pour rentrer là-dedans maintenant. Mais côté bagarre un petit peu plus grave. Vas-y, mon père. Oui, côté plus grave, c'est qu'en Autriche et en Allemagne, il y a un prêtre qui fondait une association qui est le Parish Priest Initiative. Un peu, mon nom, je vais aller sur Internet pour nous capables. Parish Priest Initiative, c'est ensemble de prêtres, près de 350 prêtres. Ils mettent tête ensemble et puis ils envoient des notes de protestation parce que quand ils fondent une sorte d'association, ils disent que. Il voulait et il a demandé, il a gommé jusqu'à ce que l'Église catholique accepte bénie union homosexuelle. Maintenant, ça qui arrive avec Femdi, que moi pensais que la difficile, voire impossible même que quitter l'Église catholique, parce que c'est l'Église catholique qui a un refuge pour eux-mêmes. L'autre Église, il n'y a pas, tradition, acceptation moun qui en déclenche. Qui baille le monde qui est un clergé, prestige, en bas ombrella, en bas couverture institution, l'Église catholique qui a une tradition, ça. L'autre l'Église, mon yo plus individualisé, yo, par exemple, un pasteur qui doit grandir en tant qu'un pasteur individuellement, lui-même même pour col. Mais l'Église ne l'a pas couvril et pas potel avancé, comme ça. Ok, mais et l'Église catholique non-romaine, l'Église épiscopale, c'est pratiquement même couverture avec l'Église catholique, excepté simplement par quoi un pape. Oui, ils ont accepté et puis au même temps ils ont accepté et pratiquent homosexuel. Mais maintenant, qu'est-il arrivé dans ces églises là par le fait que ils ont même ils ont gagné donc ils ont moins de rang et élargissement au niveau clergé par rapport à prestige que le clergé même si l'IPAR et gagné et par exemple on nous dit le prêtre épiscopal l'IPAR a joui de même prestige que l'Église catholique baille chaque grain de paix par là. Bien que li baille au bon traitement, mais à certains égards, on prête dans l'Église épiscopale là, il y a plus d'efforts personnels pour le faire, pour l'avancer, pour le grandir. Pour l'occuper famille, ni par exemple. Pour l'occuper madame ni à petite li. Donc, prêtre épiscopal capable d'expérimenter moins de pauvreté que l'autre pasteur, qui est dans l'autre et dénomination. Yo. Mais, prestige que l'Église catholique baille chaque prêtre catholique du jour même que li ordonné prêtre, ça que un prêtre catholique a joué dans l'Église catholique, prêtre ça y est dans l'Église, ça y est, il n'y a pas joué ni même genre. En fait, situation prêtre épiscopale là, mieux que par exemple un pasteur dans l'Église nazaréen, un pasteur dans l'Église adventiste. Et situation et prêtre épiscopale là, mieux en sens ça parce que et situation aidé vraiment, il couvre vraiment, il solide. Mais
prestige que les catholiques joignent en dans l'église catholique qui barrio du jour même de l'ordination, ils pas joindre. Donc ceci étant dit, il y a un prêtre catholique qui a vive qui a joui de prestige ça pour moi-même. Alors on dit pour moi-même, il est capable plus difficile pour lui pour quitter l'église catholique là et puis pour aller avec tout même prestige là. Donc les pensées, il croit que s'il était menon lutte en dedans, échanger de l'intérieur, peut-être qu'il a marché mieux pour lui. Mais il a rencontré en pile obstacle parce que le catholique en général, il a un respect de la Bible, de la tradition chrétienne qui est un petit peu qui est extrêmement solide. C'est-à-dire l'Église catholique, il a pas accepté vraiment. Catholique n'a pas une tradition pour mon appel interpréter bagaille pour compte seulement, il veut une idée ou même seulement, il marche plutôt selon la tradition l'Église athée depuis longtemps. Voilà pourquoi ensemble de prêtres, il y a pas le joindre en pile difficulté. Donc ceci okay. Capable mener nous donc à péché grave qu'on capable faire qu'on y a dans sexualité à l'eau marié. Donc quand vous êtes marié maintenant, je dit tout à l'heure et que qu'on y a c'est dim canaliser attirance moyen sexuelle moyen pulsion sexuelle moyen qui dans moi vers un seul monde moi dit ça va être seulement ma vivre en tant que mâle ma vivre avec madame moi ou bien en tant que femelle moi dit ma vivre uniquement avec mari ça. Donc ceci limite mon obligation pour me kembe lien et indissoluble pour me kembe mariage là fixe. Donc gon ensemble de bagaille depuis me faire moi vienne péché donc, et c'est le ça. Donc, nous venons, elle dit, tu ne commettras point d'adultère là. Premièrement, donc, adultère, de manière proprement dite, qui voulait dire, moi, quasiment pour l'autre monde sous mari, même pour l'autre monde sous madame. Deuxièmement, divorce. Maintenant, il faut nous préciser divorce là. Divorce à l'origine, c'est qui ça le dit? Divorce dans l'Ancien Testament, et c'est dans le sens ça pour nous comprendre le texte là, condamner divorce au départ là, c'était que moi-même dans l'Ancien Testament, qui gagne madame, moi, qui estime que dans moment ça madame moi pas performant assez ou bien li pas belle assez li pas gain assez petite pour moi li pas ceci assez donc moi estime dans li gon ensemble d'imperfection que me pas d'accord avec donc moi choisi un autre monde qui a pi performant. Donc en général dans ce testament n'est que tout fait ça en pile madame yo cotisant grand monde mettez sous côté pour l'autre jeune fille plutôt madame pas café petite mettez sous côté Salomon vas-y oui ça bon fait ça paquet nèg yo fait ça David ou David nèg te kon fait ça en pile donc le divorce c'était ça nèg yo bon à l'époque il était acceptable alors s'il était acceptable dans une période biblique là dans quel moment que le vin pas acceptable parce que je ne jodi a noue que même dans des tribus africaines yo continue de faire pratique ça côté que dans on foyer dépendamment de moyens économiques nèg là qui doit avoir 4 5 6 7 8 10 12 madame. C'est à partir de qui moment bagay ça a libi nos péchés? Alors, Jésus-Christ, mets ton texte sur écran pour un peu le monde pour nous capables comprendre. Jésus-Christ allait très loin lui-même. Il dit que au commencement, bon Dieu t'a créé un seul garçon, une seule fille. Il allait dire comme ça. Il y a des gens qui pensaient que rien au monde c'est adultère, aller dans la cabane avec les adultères. Mais moi, dis bon, mon ami garder mon nom seulement avec intention, elle désirait le commettre adultère dans le cœur spirituellement. Ceci étant dit, le Christ qui vient fonder donc, on monde pour respecter, enfin, ou bien obligation pour marcher, pour respecter décision qu'on prend, veut qu'on gagne pour grain mon ça. Donc, ou de kembe lien donc indissoluble. C'est à fait de signer un acte de répudiation, qui veut dire donc, il y a une révocation pour incapacité, parce que c'est ça le divorce, tu veux dire, oui, moi je veux comprendre ça. Le divorce, au départ, voulait dire une révocation pour incapacité. Donc, un acte de répudiation veut dire que madame Samien, il ne peut pas répondre avec désir, moi j'aime te veux là encore, moi remise à ses parents, mais je cherche l'autre encore. Ce divorce-là a été condamné, ce divorce-là est actuellement condamné parce que le détruit combien dignité sexuelle moun son divorce avec là parce que la gueule non honte tout moun yo pral di fils ça ma ouvre ou aller mais oui ou pas ka faire ceci ou pas ka faire cela hein par exemple fi pas ka faire petite là et puis yo voye là aller moun yo pral bal non yo rele ça amulette yo pas paquet vie non et dans société haïtienne nous gagne tout li en pile dans société haïtienne nous maintenant li vinn bay donc naissance avec polygamie que vinn toucher ou même qu'on y a là. Gade nèg ki di konsa bon, m pa voye l'aller, m pa divorcer forcément, mais m ap kite l nan coin. M la gèl nan kay la pou kont li, mal monton kay pou l'autre fille et puis ça avec l'autre fille a vraiment m ap viv comme monsieur et madame.
Donc, son divorce sans papier, mon divorce de fait, qui va naissance donc à la polygamie. Donc, mon cap dit, moi, je suis là, moi, je suis à gauche, moi, je suis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Bon, je suis madame ça, je suis marié avec elle, c'est vrai, mais il là. Donc, cette polygamie, ils sont atteints à la dignité sexuelle, mon âme. Parce qu'on fait le honte devant toute société, ou fait le honte devant famille, ou fait le honte devant famille, ou marche prend tout le monde ça yo sous lit, c'est comme si on dit tout le monde yo, est-elle pas utile en qui sexuelle. Quatrièmement, il y a l'inceste. Parents qui ont fait avec Timon, mon oncle, famille qui ont fait ça ou dégradé ou détruit. Ou konnen jusqu'à présent gen ti moun ki tellement traumatisé par le fait que gen yon parent ki te gen une relation intime avec yo. Donc nan tout grandi yo pa jam ka gagné une relation de confiance, une relation intime qui basée dans le confiance avec personne moun parce que dignité sexuelle yo te violé trop bonheur. Vas-y. Alors mon père, nous gros problème dans société nous hein. En pile fois pareil au fait casser feuille couvrir ça. Hein? C'est des bagages que vous pas dû parler ou bien si mon ami me dit mais papa yo ton ou bien mon oncle pas connaît ap manye yo ou bien même mari maman il y a une série de bon père qui presque même l'âge petit yo ou bien une série de jeunes si nèg maintenant caille ou bien petite fille ou élevé et jeune 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 garde petit garçon tout et puis bon ou pas fait ti moun nan ou pas tande ti moun nan parent a violé ti moun tonton a violé ti moun et voisin violé ti moun et puis yo pas parler de ça parce que ça son conversation qui est extrêmement important de quoi pour nous ça, c'est toute une émission mon père parce que faut nous aborder le sujet ça et l'inceste fait en pile dans société noire il fait en pile et du côté masculin et du côté féminin nous devons comprendre ça et de comprendre ça parce que il y a des relations moun yo capable dire bon c'est pas rien mais si on a fait avec un monde qui double fois l'âge deux fois et demi l'âge mon nan trois l'autre là pour dire que des fois c'est pour affaire économique il y a monde qui besoin résidence intel citizen là ban moi la femme aux États-Unis et son cousin son mon oncle donc de ces incestes là relation incestueuse ça yo il pas rendre compte il détruit dignité sexuelle mon nan imaginez que des monde qui parle présenter dire intel c'est madame moi des son petite demoiselle là tête baissée li honte. Parce que tout le monde, non, est-elle pas ta ka? Est-elle pas plus ka papa? Est-elle pas ta ka mon oncle? Est-elle pas ta ka mari? Mais, enfin, situation fait action, Aïtien dit, situation fait action. Donc, on détruit dignité sexuelle, mon nom. Et le kounye a là, on dit comme ça, et parent, mon nom fait le confort, confiance avec lui, comme bopé, comme mon oncle, comme ma tante, yo fait confiance. Et puis, ou même encore, et c'est ou même cap. Que mettez ti moun nan nan la vie intime k'ap montre non série de bagay ou détruit dignité sexuelle li hein qu'on y a imaginons ki j'ai pas fait aborder une relation intime avec un monde qui gen même l'âge avec lui parce que li gen temps à entraîner le apprentissage avec un monde qui way dépassé et trois fois l'âge li etc. Donc c'est une atteinte à la dignité sexuelle. Maintenant dernier point que en pile monde haïtien fait en pile c'est sur l'union libre. Alors, on a dit le plaçage, mais le plaçage n'existe pas en français. Il nous dit l'union libre, ou bien plaçage. En plus, le monde estime que si vous êtes grand, vous êtes adulte, vous êtes capable de vivre librement ensemble. Vous êtes capable de vivre dans l'union libre, vous êtes capable de placer. Mais qui problème qui gagne dans le plaçage là? Par le fait que le monde n'est pas prend un engagement formel avec vous, son relation donc qui a fluctué. Et cette fluctuation, hein, c'est flottation ça qui détruit dignité sexuelle par vous. Donc remarquez, ou une relation intime avec un monde sans engagement. Garçon pas engagé, fille pas engagée. Donc nous on pas rien qui kembe. Alors bien entendu, dans grand pays yo, tant que c'est aux États-Unis, yo gonjan yo régler ça, yo dit si nous font bon temps ensemble, l'état reconnaît nous quoi 5 ans ou 10 ans. 7 ans, 7 ans. 7 ans, ok, 7 ans. Donc ici, tu dis, si vous avez 7 ans à un monde, vous avez vivre, vous reconnaissez que nous ensemble, vous connaissez que bon lien ensemble, donc vous pouvez juger nous tant que monsieur et madame. Donc moi, je pense que, en plus, l'État, vous réglé ça, et qui bien. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre que chaque fois, nous parlons vivre avec un monde, dans union libre, donc nous parlons accepter des relations intimes avec un monde sans engagement formel,
devant Dieu, devant la famille, nous dégrader dignité sexuelle. Non. Donc, en gros, nous capables de dire, les questions relatives à l'adultère que nous ne pouvons pas commettre. Donc, c'est trois gros chapitres salgains. Donc, premièrement, identité sexuelle, identifier, hein, connaître qui est souillé, est-ce que ce sont mâles, est-ce que ce sont femelles, est-ce que ce sont garçons, est-ce que ce sont filles. Deuxièmement, reconnaître que nous avons attraction, vivre avec chasteté. Chasteté, donc, c'est une vocation qui signifie encore la maîtrise de soi. Nous devons apprendre à nous maîtriser, garçon, fille, reconnaître qu'il y a attraction, et deuxièmement, maîtriser. Et troisièmement, le nous entrer dans nos relations, le nous entrer, nous prenons engagement, nous dit un tel, c'est avec ou seulement moi pour aller vivre. Donc, c'est sous ou seulement, tout ça me vient comme pulsion sexuelle, c'est avec ou seulement que mal échange. Donc, pour engagement avec comme fonder un foyer, un couple, respecter engagement ça. Donc, pas tomber dans l'adultère, dans le divorce, dans la polygamie, dans l'inceste ou dans le plaçage, etc. Donc, quoi, en gros, c'est ça qu'on a dit sur le sixième et commandement. Très bien. N'a pas tout n'est sous émission ça encore, oui. Parce que nous avons des questions. Surtout sur l'inceste, là. Tout sur l'inceste, ça me pense qui est extrêmement important. Et nous capables au niveau des gens, peut-être que c'est vie, loi. Donc, loi a demandé son jeune petit monde pour aller coucher. Il y a violé les gens, il y a foncé de bagailles bestiales. Tout ça, c'est des bagailles pour nous capables d'aborder. Nous allons aborder au pied devant. Et je vais vous dire un petit peu rapidement sur ça. Pas à participer dans aucune activité qui implique alcool, musique, ou côté mon a pompé en même temps. Pas participer dans aucune activité qui implique alcool, drogue et puis musique côté mon a pompé, il y a fait grande dépense d'énergie. C'est-à-dire danse loi, pas aller dans danse loi. Pas uniquement parce que c'est pas Satan non, mais parce que mon yo boit en pile clair, mon yo a pompé danser et puis à la fin danse là débridage tout mon yo gars. Quand pile jeune garçon qui pourra profiter de ça, côté des gonds danse en côté au courir aller parce que vous connaissez ce moment que Dieu va profiter aux bonnes jeunes filles, mon yo en bas alcool, yo en bas influence et musique sans yo chaud des autres. De la même manière dans un club, dans club côté a fait bal musique, moi même toujours dit mon église, même qui dit ça c'est parce que premier puritain. C'est parce que puritain non, c'est parce que moi t'a aimé pour nous prudents, pour nous kembe dignité nous. Moi dit fidèle yo pas al nan bal parce que le pé des pompes et danser et puis mon yamba influence alcool avec drogue ou par contre qui ça qui a passé c'est demain matin on a saisi ouais mais qui côté ou t'es dans telle orgie ou t'es dans telle bagaille etc. Guider mon papa jam nan y avait et puis en bas influence alcool avec drogue ou vient tomber dans équipe déviation sexuelle qui dégrade dignité sexuelle. Attention, donc je suis clair, nous on a dit purité mais c'est pas ça qui directement c'est vle nous protéger tête nous toute activité qui gagne alcool drogue. Et puis, musique, on a pompé danser, rete loin autant pour mes amis, pour ne pas perdre du temps. D'ailleurs, songez, nous t'ai dit ça déjà dans l'émission, ça. Nous t'ai dit, nous t'ai toujours conseillé, téléspectateurs, nous n'y a pas l'en fait qu'un monde. Fête monde. Quelque soit fête, la raison fête, non, parce que pas qu'on est, n'en fait qu'un fête, là, qui sait qu'un fête pas des fêtes, là. Donc, meilleur bagaille, là, mes amis, faites dîner, nous, enfants. C'est simplement très véatif. Très véatif. Alors, t'es en question qui était là, nous pas t'aborder, répondre, et peut-être t'as bénéficié, comme qu'il y a nous beaucoup plus de monde qui a regardé nous, téléspectateurs qui a regardé nous, et monde qui a regardé nous tous sur radio, pas vrai? Alors, il est capable de bénéficier. Il dit comme ça, non, moi c'est Yoma. Et pour qui ça, pour. Pendant la période carême, non, monde pas qu'à dire Alléluia. Côté Jésus, parole l'a dit, li vivant, li pape Jean mourir encore. Est-ce que c'est mourir? Est-ce que c'est la mort li n'a pas célébré? Ou bien c'est l'anniversaire de la mort li que n'a pas commémoré? Oh, nous pas commémorer l'anniversaire de la mort li, Ima. Dieu est éternel, Dieu est présent, Dieu est esprit, Dieu pas jamais allé, bon Dieu pas jamais fini. Nous rendons présent ce qui a été fait. Donc, quand nous célébrons la messe, par exemple, nous recevons corps avec Saint Jésus-Christ normalement. Donc, quand nous disons Alléluia, gloire à Dieu, nous célébrons donc la résurrection, nous disons qu'il y a la vie pour nous, etc. Quand nous cessons de dire Alléluia et gloire à Dieu, nous entrons donc dans cette tristesse que la mort de Jésus-Christ t'est portée. Mais remarquez, la mort de Jésus, l'hypothèse donc, il y a une libération du péché. Cette libération du péché nous a vivre aujourd'hui. Donc, le mal que nous faisons, nous continuons à clouer Jésus.
Donc, nous capables de continuer donc vivre moment de tristesse que l'amour a dépoté. Donc, nous pas dit lui clouer sous quoi encore, mais nous dit que souffrance l'IA pas suspendre dans péché que nous continuons à faire. Et puisque souffrance l'IA pas suspendre, il pas stop, nous capables donc entrer dans un moment de jeûne que nous relais de carême, dans un moment de prière que nous relais de carême, dans un moment côté nous entrer dans nous-mêmes pour nous célébrer donc passion ça pour nous vivre. Et on m'a pas oublié, même si l'église pral fermer, il pral dit après le carême d'entrer dans le temps de Pâques, chaque fois il m'a ou fait un péché, on clouer le sous quoi. Donc clouer sous quoi, il continue fait dans péché, fait dans conversion. Donc le plus que converti, le plus que ressuscité, le plus qu'on continue dans péché, c'est le plus que la clouer. Donc oui, quand nous vivons ce temps de deuil, pas gain alléluia parce que alléluia signifie gloire à Dieu, mais nous capables de continuer donc bali gloire et chanter notre chant qui est plus joyeuse. Eh bien, moi-même, tu es capable peut-être ajouter, si vous permettez, mon père, et le fait que toujours montre Jésus avec les mains percées, les pieds percés, démontrer justement, c'est pas un bagage comme si m'dadou, bon, il était mort, il ressuscité, c'est fini. C'est encore là à chaque fois que nous-mêmes nous péchons. Et le tabou, right. Tout, pourquoi le font péché, juste songer les mains percées, les pieds percés de Jésus. Amen. That's great. Okay. Lockdown, bon, d'une, c'est la dernière question m'a édifié grâce à cette émission. Père Gus nous libère de nos tabous et de nos chimères qui sont parfois des poids difficiles à comprendre. Ça, c'est Youn. Bon, l'autre qui dit qu'on s'en merci, il a bien répondu. Et puis, il y a Youn qui m'a dit, pour qui ça paye ou pas marié? C'est une belle question. Et, je peux mettre ma réponse à l'antigène longue, Lucie. Je peux mettre ma réponse à l'antigène longue. Alors, d'abord, ce qu'il y a, les prêtres étaient mariés. Alors, on a commencé à partir de là. Maintenant, la décision a été prise à un certain moment de la durée parce que tu as un problème qui t'est posé dans l'église. Le problème là, donc c'était problème simonie. Nous avons péché ça avec nous déjà, qui c'est la vente des sacrements. Parce que le prêtre, ça qui vient arriver, c'est que le prêtre, qu'on était obligé à faire un ensemble de bagages pour occuper la famille. Donc, il y avait de graves problèmes et que qu'on a monté prix en série de bagages dans l'église. Parce que c'est ça seulement qui était gain pour vivre. Et comme c'est ça seulement qui était gain pour vivre pour occuper la famille, c'est la famille nombreuse qui a pile petite, donc qui était obligé de venir foncer le bail qui n'est pas bon. Donc, la simonie, qui sont péchés, donc la vente des choses spirituelles, et puis le père est venu tomber là-dedans. C'était le premier problème de la simonie. Le deuxième problème, c'est de la question d'héritage. Le père est construit en l'église en côté. Le père a mouru. En pile fois, madame père a été estimé que c'est une petite lio qui pourrait remplacer papa. Mais là, ça, père, petite lio pas forcément une vocation. Puis il n'y a pas forcément. Ouais. Mais puisque maman n'est pas, c'est dans ça qu'on levé, ça qu'on est. Donc, le papa est mort, quand on va le voir aller. Hein? Puisque la famille est levée là dans le presbytère. Et il y a des prêtres qui mourent, bonheur, qui madame n'est pas petit. Donc, les questions d'héritage, surtout les pères construisent l'église. Et l'on peut arriver, pape. Si pape là vient mourir, quand on va le faire madame pape là, est-ce qu'on a quitté madame pape là en dedans? Et il y a un cas qui est posé. C'est que il y a un pape justement qui est mort, le pape l'a mort, madame Nian te dit non, les papes font pas la prêté dans le Vatican. Les reprêter là, qu'on y a l'été vrai, son petit clé pour venir mettre pape. Et petit ça, pas de gagner. Pour moi, le pape prêtre vraiment. Et puis, qu'on y a l'autre cas, il dit, ben, puisque madame pape là, bon, on connaît, bon, les amis font un gros respect pour madame pape là, ils prennent petit là quand même vraiment. Ils fait dans presque une semaine toute cérémonie pour lui, ils mettent le père, ils mettent l'évêque. Ah, vous savez, vous mettez le pape. Non, seule semaine, parce que pour te faire maman, qui c'est madame pape, parce que monsieur Moïse, il dit le pape ne font pas, la vérité là, c'est la caille. Donc finalement, si jeune homme, ça qui pas père vraiment, qui vient des papes, ils font un bon scandale, un bon désordre dans le Vatican, le vin pape. Dieu merci, maman, le vin mourir. Comment le vin mourir? Le mec dit, mon cher, ou pas ton vrai pape, parce que, etc. Merci beaucoup, déposez la terre. Tout doucement. Donc, il était déposé, monsieur. D'ailleurs, monsieur, pas de vouloir, il était pape. C'est maman qui t'a fait plaisir pour maman, etc. Bref, tout problème, c'est qui était venu poser, il était venu en nécessité à l'église pour venir réguler question. Donc, régulation question, hein. C'est donc, t'es entré dans célibat clergé. Il est venu l'église, il y a assise. Il est venu faire que des ordres. Premièrement, simonie. Deuxièmement, question d'héritage. Troisièmement, prêtre qui n'a pas une vocation, mais qui est venu prêtre.
par condescendance ou bien descendance même, ascendance, toute question ça vient résoudre. Donc le prêtre yo vin célibataire, tout bien l'église yo rete, mais le sacrifice donc, le prêtre le fait. Et c'est pendant que prêtre catholique yo vin à vivre célibat yo, yo vin à découvrir donc à quel point célibat Jésus-Christ est important. Ça fait nous approprier nous tout de Jésus-Christ, ça fait nous sentir que Jésus-Christ s'est fait par nous tout lié, organise parce que Jésus-Christ tout lié, il n'est pas marié, parce que le pape est madame. Donc si le pape est madame à petite, famille t'a pas vu entrer nos héritage comme ça, l'église pas tape l'église parce que l'église tape héritage famille Jésus a Jean ça y est en pile notre religion que ce soit un musulman etc ou senti que les attaché avec une race qui c'est race arabe là parce que c'est un arabe avec famille la petite li, qui continue là dans comme ça. Donc bref, je dis à l'église catholique vient découvrir richesse qui vient dans célibat Jésus-Christ, c'est pendant que payo vient vivre célibat comme ça. Donc, paye ou pas marié, parce que problème ça a été posé, l'église te voulait résoudre. Donc, le célibat des prêtres, c'est lui qui fait aujourd'hui. Hein? Ouais, l'église Saint-Jacques ou qu'on est, l'église Mont-Carmel ou qu'on est, ouais, depuis longtemps, qui était toujours Mont-Carmel là, qui toujours était l'église Mont-Carmel et l'église catholique là, c'est à cause, c'est grâce à célibat des prêtres là, qui fait que l'église ça là toujours. Si pas que célibat des prêtres, mais bon, garantie. En plus, l'église a été gâtée en vente déjà, en plus, l'église a été capable d'exister encore, le père qui était fondé ou a été gravement mouru, parce qu'il va le passer comme héritage familial. Donc, ça fait pour nous la prière pour prêtre, yo, c'est un grand sacrifice que un prêtre fait pour les continuer à vivre dans le célibat. Soit sacrifice fait pour l'Église. C'est pas amour pour l'Église que un prêtre vive célibat ça. Quand il a dit bon, moi accepter que ma vive seul, mais pour l'Église capable de continuer à exister dans l'ordre et la discipline. Voilà pourquoi donc on appelle le célibat des prêtres une discipline ecclésiastique. Donc, on ne dit pas un commandement de Dieu. Une discipline plutôt ecclésiastique pour rendre que l'Église la stable, que l'Église a marché bien, que l'Église a avancé. Donc, le célibat des prêtres, là, il existait. Donc, mais c'est pas nos origines historiques là. Et je dis à tous, nous allons essayer de comprendre comment peut assembler en pile avec Jésus-Christ dans le célibat, parce que Jésus-Christ lui-même tout, il n'y a pas de madame, il n'y a pas de petite. Donc, en gros, nous allons présenter une question en concernant. D'accord, je vais essayer de faire une question suivie à ça, ce dialogue. Et nous parlons de célibat des prêtres, en même temps tout, Jésus parlait de la famille, bon Dieu parlait de croiser, multiplier la terre, est-ce que ça? Et là, d'ailleurs, Bacon souhaitait, oui, lit Da Vinci Code, souhaitait, ouais, livre, film non, bien sûr, il livre là, côté que quand même, bon, mais même... Il pose des problèmes d'autres qui étaient capables d'exister et que croyait que Jésus-Christ était capable de marier, était capable de bien petit. Mais c'est dans des évangiles qui apocryphes que vous jouez une source à eux. Les évangiles canoniques, qui c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, il ne va pas parler de ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une contradiction? Moi-même, personnellement, non. Moi, je crois que plutôt, toute personne, tout bon homme marié, toute bonne femme mariée, l'idée doit d'abord être un bon célibataire. Si, il y a une première bagaille que moi, je crois. Mais deuxièmement, moi, je crois que si crasse monde qui fait paix, vie petit crasse moun sa yo pas un problème pour valeur moun k'ap fait petit. Donc le monde pas de problème petit pour deux trois nèg qui fait paix. Mais maintenant pour deux trois nèg qui l'en prêtre qui c'est des moun de bien. Alors, il est clair que tout paix pas moun pas on est de bien, ça veut dire paix qui fait bail qui pas bon. Donc bref, mais nous croyons que grand pile nèg de bien qui fait paix. Donc pour moun de bien sa yo qui fait prêtre, il est capable tout des superbes pères de famille. Qui est capable de nous donc des familles modèles, des citoyens modèles pour faire société noire avancer. Donc, oui, ça a un très bon bagage. Mais, pour dégâts que ça a créé, nous sommes obligés d'accepter, consentir à un sacrifice. Tout. Donc, dans la vie, il y a des bagages où tu as besoin, il y a des bagages où tu as besoin. Pour capable de réaliser, on a besoin qu'on ait que ça demande donc des sacrifices. Si vous n'êtes pas prêt pour faire des sacrifices pour vous-même, et bien, on ne peut pas capable réaliser. Donc, si on a une belle rade, on ne peut pas acheter une belle caille. Parce qu'on ne peut pas dépenser trop dans la rade. Et puis, on comprend, c'est sacrifice. Donc, si nous avons besoin de l'église catholique, qui pour exister, même là, nous mourons, et puis si nous avons toujours joué, il faut nous accepter le fait que, il y a des gens, des garçons, des gens de bien qui font sacrifice ça pour l'église à exister, j'en ai besoin. Sinon, il n'y a pas l'église catholique encore. L'hypral des églises. Parce que chaque nègre qui font des yon, la valeur pour famille, il va créer une vague des autres. Et je crois que l'Église catholique pas pour personne, sinon il pour le peuple de Dieu, parce que clergé a célibataire. Donc, on a dit tout le monde, accepter que sacrifice a existé et puis prier pour paix, pour être capable de vivre avec l'esprit sacrifice, ça, puis bien.
Très bien. Merci, merci, merci. Très bien. Très, 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 très bien élucidé. On a rappelé téléspectateurs, yo, comme nous connaît, un miracle extraordinaire. Mabzou, merci, mon père. Et, mais je t'en prie. Digo, transmette pas, frère Jacques Charles, de Médailles Miraculeuses, Télé Anacaona de Sony Belle en Forme, Télé TV Masters, de Miami et Orlando de Guy Pierre Charles, et certainement à travers nous-mêmes, tout qui partageait, lien ça sur Facebook ou bien sur YouTube. Et mon père, la bénédiction finale pour cette semaine. Mais même moi, édifié, m'bakone si téléspectateur édifié, très bien édifié. Eh ben, nous disons Dieu merci pour ça, je le dis. Hein. Parce que nous connaissons un sujet qui était extrêmement et tatillonne dans la mesure où nous connaissons et que sexualité les posait en pile problème dans le monde que nous avons vu dire. Mais dans la mesure du possible, j'espère que j'en vous même très édifié, j'espère que en pile monde qui a édifié et qui a aidé l'autre monde édifié dans façon que même tu vas arriver à comprendre importance pour identifier tête sexuellement et aussi vivre sexualité yo avec tout l'autre monde en façon qui constructive pour qu'on avance. Donc, comme Suzy, comme Lucie, bien demandé ça, on nous baisse tête pour tout le monde, on nous entraîne dans ce fond que nous, et on nous prie, bon Dieu, ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, nous fait l'ange accompliment pour nous, et nous demandons vous t'en prie, par sa puissance. Et bien, nous tous, Seigneur, qui tape vive émission, ça, je dis, la grâce pour nous grandir, pour nous avancer, ensemble avec vous. Seigneur, aidez-nous comprendre la sexualité, nous, pour ne pas jamais prendre comme un fardeau. Aidez-nous, bon Dieu, pour nous grandir et avancer dans l'amour, non pas, mais surtout dans le respect, volonté pour nous-mêmes. Comme garçon, comme fille, aidez-nous, bon Dieu, pour nous vivre ensemble avec vous, selon volonté, mais tout, pour nous accepter tout sacrifice que ça m'a demandé pour nous avancer. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui, demain, il est Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci, Père Miracle, d'avoir rendez-vous ce matin. Oui. Et nous dit, bon Dieu, encore une chaîne, merci pour ce semaine, ça nous sommes passés. Hein? Bien important pour nous rendre gloire à Seigneur là. Et pouvez élever sous nous, pouvez élever sous famille nous. Et nous traverser ces périodes de carême, ça, de façon extraordinaire. Nous dit, merci, nous ne pas tomber dans la tentation. Nous rester propres à nous-mêmes pendant la période là. Et nous dit, tout, chaque jour, tu as supposé carême pour nous-mêmes qui croyons en bon Dieu, nous-mêmes qui servons bon Dieu. C'est dans la prière pour vous venir, je vous dis encore une fois, songez. Si nous avons des questions, commentaires, et merci pour ceux qui voyaient témoignages audio, tout, nous avons dit nous merci beaucoup. 305 7 26 14 55 10 14 55. C'est dans la prière pour vous venir, je vous dis, nous avons nous passer une très belle montée de Pâques. Rendez-vous la semaine prochaine. Non, pas M. Lucie Tombeau, qui t'est accompagné de Père Miracle, nous avons dit nous au revoir. Bonne fête de soirée. Là, on dit, en pile monde, très souvent, surtout le monde qui vit en Haïti, il y a toujours une tendance qui dit que voler l'État, ce n'est pas voler. Et moi-même, je connais grandement toujours dit, tu voles un œuf ou tu voles un bœuf. Tu voles un œuf, tu peux voler un bœuf. Donc, c'est, donc, quel que soit le genre de vol dans les fêtes, depuis son bagage qui part entrer dans le cadre chrétien, donc, il est empêché. Mais, qu'on y a ou pas bien montré que on patron ou font mon travail pour et pour pas payer mon nom. Ça tout, je considère comme vol. En fait, voler. Est-ce que le monde volait Marion Moon? Je considère ça comme vol. En fait, tout ça, nous allons débattre avec Père Miracle. À nous tout d'abord remercier tout le monde qui déjà branché, tout le monde qui déjà partagé l'émission, hein? Tout le monde qui te prend le temps pour te téléphoner nous. Tout le monde qui prend le temps pour qu'à t'écrire nous, encore nous avons des questions, nous avons dit merci et nous avons rappelé nous face à la parole sur l'émission qui vient de joindre nous, eh bien, et qui relayait tout par frère Jacques Charles depuis Haïti, dans Médailles Miraculeuses. Il vient de joindre nous par télé Anacaona de Sony Belle en Forme. Il vient de joindre nous, enfin, il retransmettre à travers Télé Masters TV avec Guy Pierre Charles et en fait, nous-mêmes, auditeurs, auditrices qui sont sur Facebook, qui sont sur WhatsApp, qui a fait partager Michel Sahar. Encore merci et nous allons débattre sur ça avec nul que notre père, le révérend Gustave Miracle. Père Miracle, bonsoir. Bonsoir Lucie, frères et sœurs, bienvenue, bonsoir. Et nous sommes contents, en tout cas, la réunion tout le monde aujourd'hui. Nous allons vraiment un sujet qui touche la société noire, société haïtienne, de manière précise et directe, et pas volet. Et qui, j'en suis capable de parler de volet,
qui leur ont un vol vrai et qui s'en a fait tout pour empêcher que des plus vol cap commettre dans la société noyau. Donc merci et ça fait un peu de plaisir. Donc n'a pas entré en dans bel sujet ça je vous dis à inviter tout le monde donc pour nous pratiquer ce bal. On n'a pas approfondi thème ça ensemble. Merci et Lucie et bienvenue à tout le monde. Très bien. Alors mon père, leur dit vol, hein? La vision chrétienne de la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Quand on parle de vol, qu'est-ce qu'on entend par vol? Vol, c'est quasiment usurpation. On est capable de dire tout ça qui part pour et puis vous usurpez, c'est-à-dire tout ça qui part pour vous prendre, tout ça qui part pour vous et puis vous appropriez de lui-même. Ça donc en usurpation. Usurpation de ça qui pour l'autre monde sans que l'autre monde n'ait pas d'accord baoul, c'est un vol. Donc pas comprendre. Tout ça qui pour l'autre monde n'a n'est pas accepté baoul ou encore n'est pas dans bon sens lui, c'est le d'abord prendre parce que ou gars baoul monde boit. Et puis monde en sous et puis monde en sillon papier. Et puis ou dire ça c'est pas moi-même mon été signé papier par le fait que mon n'a pas gain toute raison dans lui-même hein il pas raisonnable à ce moment-là donc il pas bien parole donc tout sont usurpés qui pour un autre monde et que mon n'a pas consenti avec toute raison tout bon sens pour le baou tout ça c'est volé. Maintenant ça qui est intéressant dans regardez bien ça qui est intéressant dans texte ça dans commandement il dit tu pas la vol pas la même ne volera point tu ne commettras pas de vol donc quelque part donc bien qui pour l'autre monde et pour moi-même avec vous bon Dieu a dit non pas à prendre bien ça ceci étant dit texte donc les consacrer de et vérité fondamentale que avant même d'approfondir qui le gain volé qui le pas gain volé nous besoin mettre accent sur d'abord par le fait que on pas doit prendre et on pas de commettre vol donc on pas doit prendre bien en l'autre monde donc texte là les consacrer ce qu'on appelle la propriété privée. Moun, donc la Bible, d'accord, li accepte que on moun capable posséder un bien. Et gen en pile, pour moun de vous comprendre, gen en pile sujet philosophique, gen en pile et auteur, notamment et Karl Marx, le père du système communiste, yon essaye quoi moun sa yon même que tout bien ta supposé bien commun, tout bien ta supposé mette ensemble. Et texte là, li fait nous comprendre donc, à partir du moment où on moun ou travaille pour yon bien, nous tout nous levé sous terre nous pas créer rien nous pas créer pied bois nous pas créer l'amène pas créer sous zone pas rien donc tout bien sous terre c'est pour nous toutes mais dès que on produit on travaille on fournit on travaille pour transformer en bien bien ça devient propriété privée moi prends mon terre moi travaille me font jardin jardin ça c'est pour moi bien moi al sur mon terre moi couper bois et puis moi construire un caille ça sous terre ça côté me construire là c'est pour moi bien donc le fruit du travail nous devons comprendre que ça. Et ça fait, et déjà, sous les titres, par nous, aujourd'hui, c'est et la vision chrétienne de des fruits du travail des hommes. Comme si tout ça, on nous fait, c'est vous-même qui révèle la force pour tout. C'est idée au côté métataire, ou transformer l'ouvrage, ou prendre un bout de fait, ou font tabavel, ou prendre un peau bête, ou font soulier à eux, c'est propriété privée, vous devinez. Donc, personne n'a pas dit que tout lié. Non. Les pour nous toutes, c'est les là de la nature. Mais à partir du moment où son monde qui plante, son monde qui prend soin, qui s'enclèle, qui ouse, c'est un monde qui transforme, dès que le vin donne le fruit du travail de quelqu'un, eh bien, monde ça, qui travaille l'étranger là, il est le chez maîtresse. Donc, il y a un droit à la propriété privée. Ça ne veut pas dire que, par le fait que je me dérange en bagaille, que je me transforme, que je me construis en caille, ça ne veut pas dire que bois et toute bagaille qui gagne dans la nature, il n'y a pas de destination universelle encore. Non, toute bagaille qui fait, bon Dieu crée pour nous toutes, c'est vrai. Mais là, on a parlé de monde qui doit révéler le chemin de maîtresse. Ça, c'est le premier bagage que, combattant ça, lit et mettait sacré. Et nous devons respecter ça, nous devons apprendre à respecter la propriété privée au monde. Et on a dit travail pour un bagage, c'est bien lié. C'est propriété privée liée. On chrétien, on servit de bon Dieu, il doit apprendre à respecter ça. De ce fait, nous entrons dans la question que tu as posée tout d'abord là. Qu'est-ce que le vol? C'est le monde qui a usurpé bien ça. Donc, le monde a dit travail, il fait bien. Mon travail il fait kali, mon travail il acheter machine ni, mon travail il fait affaire et puis ou même ou al prendre sans qu'elle pas de bonne permission, sans qu'elle pas de faux cadeau. Ou bien ou virer tête ou virer l'horlogerie pour prendre. Le ça, il pas gain l'autre non, ou son volé. Maintenant mon en plein monde dans société, yo capable essayer ranger ba la balantine non. Yo range le dit bon,
un tel c'est prêté le prêté un tel non voler c'est voler les bon monde gon bagay li pa baoul nous pas ka ranger ou pas ka virer le tourner ou un tel te wel là ou elle pas pour un tel ou te wel la terre et moi pas de monde qui t'a veut prochain non trois fois non frères et bien-aimés c'est pas où que tu mettez et pas ou même qui te mettez ou pas travail ou pas de faire ou pas gain pour prendre li pas pour ou li pas pour le petit travail pour gain à faire pas ou. Donc à partir du moment où son monde qui te fait mon n'a pas longé le baou li pas dit c'est pour lui des pour moyen c'est bon on comprend que les cas sont intelligents non ou sont volés que mon cas sont monde qui smart ou sont monde qui intact non ou sont volés tout volé c'est volé gros volé petit volé moyen volé tout volé c'est volé tu veux dire quelque chose. Alors, oui ça c'est on mise en garde surtout pour monde qui travaille dans hôtel yo yo prend serviette yo prend savon yo prend parfum yo prend bonnet de bain yo prend tout drap yo prend toute qualité de bagaille pour eux même c'est pas volé ça c'est vol tout moun k'ap travaille dans restaurant si c'est pas patron qui dit ou qui doit prendre laisse manger ou bien fruits etc pour aller la caillou eh bien ou prendre sans permission ça tout yo considéré comme volé. Maintenant on va aller pour un niveau un peu trivial au moun qui décide pour le prendre mari en l'autre est-ce qu'on considère ça comme volé? Non ça c'est quand même t'as dit ça en ville, ça c'est infidélité, ça c'est adultère. Parce que mari ou pas un bien qu'on possédait. Voler c'est un bien que moi t'ai dit fait, son bien matériel. Comme on m'a appartenu que me capable vendre, que me faire cadeau. Et puis là ça donc, son monde voler bien ça, son monde prend bien ça, laisser on vol. Mais maintenant si c'est un monde moi marié avec lui, il pas un bien que me posséder, là ça ne pas parler de vol, on pas parler de adultère. On connait traité ça samedi dernier, on pas parler de infidélité et si mon n'a pas l'autre monde sous mari ou bien sous madame. Donc et moi comprendre, alors moi comprendre don't get me wrong, moi comprendre idée là, mon dit que ça est elle vole mari, mais elle prend mari là même. Et non, parce que c'est pas un bien que lié de la même manière. On ta doit dire et ben mari à madame moi bamba aux amis me font soir avec lui parce que son bien lié pour moi, pas faire comme ça. Parce que c'est pas bon bien que vous faites un cadeau et vous parlez que vous gavonne, vous parlez que vous faites cadeau et ça fait regarder bien dans ce testament n'est que tellement tu penses que madame ils sont bien que le dire pour yo dit que bon moi ils vont boire là me bouquer avec fille si on papier balim me retourner me voler la famille non dans la poche chrétienne on pas qu'à faire comme ça parce que c'est pas un bien qu'on possède si on monde bon Dieu accepter qu'on mette tête avec lui pour construire quelque chose pour demain de madame moi même bien qu'à disposer de nos machines ou pas qu'à disposer de nos maris ou même qu'à disposer d'un bien qu'on possède. Donc on ne parle pas de vol dans ce cas là on parle plutôt d'adultère on parle de fidélité et parce que c'est un cadre précis de un monde qui égale égaux ensemble avec vous. Mais maintenant quand il y a vol qu'est-ce qu'il doit y avoir maintenant? Il doit y avoir restitution, réparation. Le texte est clair. La doctrine sociale de l'Église catholique dit, maintenant, à partir du moment où que quelqu'un qui prend ou bien qui utilise un bagage qui part pour lui faire une réparation, il doit faire une restitution. Il n'y a pas même où tu prends. Mais réparation, je l'ai dit, dommage que tu commettes là, il faut le même tout, mon enfant, il faut le réparer. Bon, prenons un exemple qui est très simple. Ou prend, ou voilà 100 dollars pour moi. Ou te voulais ajouter un bagage avant de continuer sur ça? Expliquer aux téléspectateurs question restitution réparation. Nous voyons qu'à un certain moment de la durée en Haïti, dans le pays africain, et même ici à travers l'Américaine Wario, tout, ils ont demandé restitution, Boïtien ont demandé réparation à toute année d'esclavage qui a été fait peuple noir là, qui a été forcé au sortir en Afrique. En Haïti, nous avons demandé la France restitution, 1,750,000,000 $ que l'ité prend, et puis avec esclavage que nous-mêmes nous avons subi, et dans le pays africain, tout bien que nous prenons en Afrique, dans le milieu que nous déchapillé, tout gros bagage que nous gagnons vraiment, nous avons aussi dans le musée, là, en Europe, surtout en France ou bien en Angleterre, tout bel bagage noir, et même ici aux États-Unis, tout, ils ont même dit couronne sous le clan, c'est ici lié aux États-Unis. Donc, ça, nous capable de demander restitution pour remettre nos biens que nous prenons et réparation à travers misère que nous avons fait, nous, viol, etc. Parce qu'on est un peu dans le mulatio, à moins que nous sortions au Liban ou bien dans l'autre pays, Égypte, etc., qui est en Haïti.
majorité là-dedans, ce sont des petites esclaves qui ont été violées et qui étaient bail des mulâtres et des timounes. Je veux dire, ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout. Mais en tout cas, tout ça, tout ça, c'est simplement pour dire que l'on a parlé de restitution, l'on a parlé de réparation. Bagay qui ont été prêts pour que vous demandez pour remettre tout. Réparation, ce sont bagay qui ont fait, qu'on a demandé pour être capable de réparer l'offense, ça, pas vrai? Voilà. Et alors, autant occasion, de ma possibilité pour m'entrer dans la deuxième partie pour qu'il puisse aider pour mieux comprendre l'institution et réparation de manière plus claire. Deuxième partie, c'est l'ensemble de bagages des pays faits qui volent. Par exemple, si il y a des actes qui sont faits contre eux-mêmes à des fins mercantiles ou totalitaires, sont volés. On nous dit, moi-même, on m'a moyen, on m'a pris et pour réduire mon esclavage. Ou vendre moi. Ou prendre et puis ou asservir, ou battre moi, ou forcer me faire travail. Donc, sans faire, c'est un vol lié. Et vol sans qu'on faire, l'imande donc réparation et restitution. Et ça fait l'esclavage et l'exploitation, la colonisation, tout c'est des péchés contre le septième commandement. Voilà pourquoi la colonisation, l'esclavage et le totalitarisme, c'est-à-dire côté et un régime qui a crasé le monde, au grand même dit tout, la dictature, c'est-à-dire qu'il a forcé une population à faire des bagailles qui en dehors de volonté. Donc, régime totalitaire, et tout le bagaille, le monde qui a fait ça, il a fait à des fins mercantiles, c'est-à-dire que c'est l'argent qui a fait, il a réduit mon yo, oppressé mon yo. Tout le bagaille, ce sont des péchés contre. C'est donc vol que vous avez, parce que vous volez les libertés mon yo, vous volez les capacités mon yo, vous faites mon yo du travail, et pourtant, fouille travail là, c'est pas vous qui touchez. Donc, tout le bagage ça, il a demandé donc en justice, ça ne capte pas d'italien. Premièrement, restitution. Donc, deuxièmement, réparation. Restitution, ça a été pris en moi, non? Il a dû remettre. Ou te voler 100 dollars pour moi. Ou dû me 100 dollars. Mais, si 100 dollars ont tant le phénomène, que ou même ou tape, fait l'argent encore. Mais pendant tout le temps le phénomène, là, quand tu montes, multiplier, non seulement je 100 dollars, mais je dois tout. Tout le temps, le fait dans mon que si je fais le même, je grandi, puis je t'ai avancé, race, etc. Donc, c'est là, je viens d'entrer dans la réparation. Donc, je dois 100 dollars côté prend, c'est vrai, mais pas 100 dollars seulement. Ouais, ou restituer 100 dollars, mais tout le temps, le fait dans mon parce que si je fais même, etc. Donc, ça, c'est la réparation. C'est le principe de justice. Donc, on ne peut pas avancer en toute justice quand il y a eu des vols sans parler donc de restitution et de réparation. Maintenant, quel que soit ça, on ne volait pour un monde. Il est clair pour nous toutes. Aussi longtemps que pas gain justice, ça, pas besoin de la paix. Je reprends. No justice, no peace. En plus, le monde qui a la manifestation ici aux États-Unis, je vous entendais, pasteur américain, théologien, libération américain, toujours dit ça. No justice, no peace. Mais il y a le monde qui ne comprend pas, qui va parler ça sortir. Il sortit exactement, exactement. Quand il n'y a pas de restitution et de réparation, donc il n'y a pas de justice au niveau de ces vols qui ont été commis, pas bien la paix. C'est-à-dire, ouais, groupe de monde qui était oppressé, groupe de monde qui était subi, là, toujours gagné un cul, ou bien on compte dans la tête, li, et justice a été faite là. Et chaque fois, le jeune homme tire occasion lui-même pour le capable, peut-être qu'on liberté pour le parler, la boule, la déchouquer, la foncer de bagaille. Et ça fait. En plus, le monde dit, il n'y a pas de brûler, il n'y a pas de craser machine telle, il n'y a pas de faire telle action, mais il n'y a pas de rendre compte. Dès qu'on peut vivre nos situations et que le pas de jambes fait face à restitution et à réparation, donc il n'y a pas de justice qui fait à lui-même. Il est toujours en envie pour la tirer en revanche. Tout autant, parce que c'est sur la justice là, c'est-à-dire restituer, ça le prend pour lui, et réparer pour tout tort que tu commets à lui-même qui pourra le mettre dans l'ambiance de paix. Toute société, doit entrer dans la démarche, ça, s'il veut gagner la paix là-dedans. Le grand modèle, le grand exemple, c'est Afrique du Sud. Par contre, sur l'histoire, Afrique du Sud, le et président Mandela montait. Il est monté en commission. Il dit, OK, commission ça, l'archevêque Desmond Tutu, qui était dans la tête, monde qui t'a fait mon yon série de mal, monde qui t'a détruit, crasé, brisé mon par racisme dans le régime apartheid, nous besoin, ça que t'a tué mon, etc., mettre dans la prison, mais tout, mon noir, yo, qui t'a subi ça, font réparation à eux-mêmes. Et ça fait, je dis à jusqu'à présent, en Afrique du Sud, il y a un système qui est en place, qui dit comme ça, une discrimination positive. Discrimination positive, là, vous l'avez dit, une série de jobs que l'État a bâillé, premier monde, il y a bâillé son monde noir.
si pas de monde noir volé, il y a un monde positif, c'est juste pour faire une réparation par rapport à des torts qui étaient créés dans le système pendant des années. Son vol de lien. Donc, nous devons comprendre que toute société, depuis qu'il y a un vol qui fait là-dedans, c'est-à-dire, il y a un régime d'injustice, un régime d'oppression, un régime qui est écrasé, brisé, et bien, l'a toujours exigé. Et nous devons comprendre bien. Et docteur l'Église catholique dit, l'a exigé une réparation. Ce n'est pas l'imande de réparation, ce n'est pas les conseillers de réparation. L'exiger de réparation. Parce que, moun qui subit tout là, moun qui prend justice, moun qui prend bien, qui prend force courage, li a, et bien, moun sa gon, li gon bagay ka manje le par en dedans. Et tout le temps, pour toucher ça, pour le ta toucher, li absenti que li gon révolte. Et ça fait n'importe le, gen onti ouverture, la boule, la crase, la brise. Et si nous pas vle déchoukage, si nous parlons, ouais, casé brisé, c'est pour nous gagner en pile réparation, c'est pour nous gagner en pile restitution en dans société nous. Pour ça, nous devons faire clair, rapidement pour tout le monde, tu as comprendre à qui côté vol capable de mettre nous et si y a absence de justice qui clairement n'a cas matériel là, si y a absence. Ouvrions en pot de Pandore parce que en Haïti, par exemple. On a parlé de injustice que Mounio subit. On a parlé de mouvement choléra, ok? Que jusqu'à présent, malgré que reconnaître que c'est Népalais qui était venu avec genre de choléra ça, qui fait des centaines de milliers de morts dans le pays d'Haïti, jusqu'à présent, Mounio pas jamais gagné une réparation qui fait par rapport à ça. On a parlé de tremblement de terre. Côté on dit plus de 300 000 mounes qui mourent. Mounio vivent dans tente et ou connaît moi-même, gagné plus de 500 millions de dollars qui allaient en Haïti, que la Croix-Rouge volait, et que les choisit pour le prendre, pour le mettre dans l'autre pays, et tandis que c'était l'argent. Et jusqu'à présent, en Haïti, il y a des gens qui vivent en battante. Donc, malgré que il y a quelques congressmen américains qui font des efforts pour suivre la Croix-Rouge, ils auraient été inébranlables parce qu'eux-mêmes, ils auraient des organisations qui font. Ils ont pas pensé que l'argent haïtien que vous volez, hein, vous prenez et vous prenez le net, et pas de monde qui a fait ou remettre. Tu vois? Donc, si tu parles de société, côté que, qui menait, alors il faut nous comprendre pour qui ça paye en vie dans l'état de pourriture que l'IEJ n'est aujourd'hui, hein, si je peux permettre mes expressions, hein, à partir de subi dans mes haïtiens, chaque président qui passait au volet, vous plaît pour chaud. Chaque ministre qui passe au volet, il prend pour chaud. Chaque député sénateur qui passe au volet, il prend pour chaud. Tout ça, un pays n'a jamais mis à besoin comme ça que vous mettez un pile comme dans un pays. Hein? Mais cependant, il n'a jamais dit que le par exemple où les États-Unis voyaient 90 millions pour un projet dans un pays, il n'a pas dit que.